Hop. Comme ça, si on me dit que t'as besoin d'une recharge, et c'est pas du CD. C'est vrai. Bonsoir. On va commencer la séance du conseil municipal. Ah, c'est bien, Élise. T'arrives pile poil. Donc, la convocation et les projets de délibération donc pour la séance d'aujourd'hui ont été envoyés par mail le mardi 22 novembre 2022. Suite à une remarque d'un conseiller municipal, le projet de délibération numéro 10 relatif à l'état annuel des indemnités de fonction a fait l'objet d'une modification et a été renvoyé modifié le vendredi 25 novembre. Donc, juste un petit rappel concernant la convocation du conseil municipal. Donc, c'est l'article L21-21-10 et suivant du Code des collectivités territoriales. Toute convocation est faite par le maire. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou une autre adresse. Le délai à respecter entre la date d'envoi de la convocation et celle de la réunion est de 3 jours francs dans les communes de moins de 3 500 habitants et de 5 jours francs dans les autres communes. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé par le maire sans toutefois être inférieur à 1 jour franc. Dans ce cas, dès l'ouverture de la séance, le conseil municipal doit se prononcer sur l'urgence invoquée par le maire. La convocation doit être écrite sous forme que ce soit, indiquer tous les points de l'ordre du jour, être mentionné au registre des délibérations, affiché ou publié. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, en plus, une note explicative de synthèse sur les affaires qui seront délibérées doit être jointe à la convocation. Les délibérations sont prises lors de la séance du conseil municipal à la majorité absolue des suffrages exprimés et font l'objet ensuite d'une publication. À Trélazé, nous avons par habitude de soumettre les projets de délibération aux conseillers municipaux avec l'envoi de la communication à la séance du conseil municipal, justement pour leur permettre d'en prendre connaissance et de demander des éléments d'information complémentaires si besoin, en amont de la séance au cours de laquelle elles sont discutées puis votées. Les projets de délibération n'ont donc aucune valeur légale, mais ne sont que des outils de travail pour les conseillers municipaux. Il serait dommage que la récente utilisation par la presse de ces outils de travail que constituent les projets de délibération remette en cause le fonctionnement du conseil municipal de Trélazé et que nous soyons obligés de revenir à une application stricte de la réglementation, ce qui ne faciliterait pas le travail des conseillers municipaux. Donc, je demande à l'avenir que ces outils de travail soient réellement utilisés comme tels. Donc, pour cette séance, un tableau des propositions de déport a été transmis par mail aux élus et remis sur table. Donc, vous avez le tableau des déports sur les délibérations 6 et 14. Madame Delanoë, absente, excusée, donne pouvoir à Madame Maury. Madame Jacquet, excusée, me donne pouvoir. Monsieur Cadeau, excusé, donne pouvoir à Monsieur Batté. Madame Tsiktsikoglu, excusé, donne pouvoir à Monsieur Alberac. Monsieur Essarok, excusé, donne pouvoir à Monsieur Karim. Et Monsieur Erturk, excusé, donne pouvoir à Madame Pinault. Donc je vous propose donc de désigner un secrétaire de séance. Je propose que M. Sébastien Boussion soit notre secrétaire de séance. Est-ce que vous l'acceptez, M. Boussion? Oui, je l'accepte. Merci. Donc, avant de commencer les délibérations, il y a un PV à valider. Donc, le PV de la séance du 17 octobre 2022 a été envoyé pour information aux conseillers municipaux. Il n'a toutefois pas fait l'objet d'une validation par le secrétaire de la séance, M. Fagot. Donc, il ne sera donc
pas mis au vote ce soir. Donc, report à la prochaine séance du Conseil. Donc, à noter une coquille dans le titre de la délibération numéro 10 relatif au rapport annuel d'Angeleur Métropole et non au budget. Les échanges avec M. Fago portant sur le contenu du PV suite aux modifications du règlement intérieur du Conseil municipal validé en séance du 26 septembre 2022. Sur proposition de M. Fago, nous nous sommes attachés à copier le modèle de PV d'Angeloire Métropole. Donc, voilà. Donc, vu qu'on n'a pas eu la validation de M. Fago, donc on n'a pas pu signer. Donc, sauf s'il y a des informations complémentaires que M. Fago doit nous apporter, on vous propose de le passer au prochain conseil. Oui, allez-y, M. Fago. Donc déjà, je vois que ce n'est plus le plus jeune à qui on propose d'être secrétaire de séance. Donc, en tant que secrétaire de séance du dernier conseil municipal, effectivement, j'ai choisi de ne pas signer encore le PV qui devait être proposé, qui m'était proposé. Donc, vous savez, nous travaillons collectivement et nous sommes rapidement tombés d'accord avec la conception que nous avons de la démocratie. Il m'est impossible d'être signataire d'un tel PV. De même que collectivement, nous ne souhaitions pas le cautionner. Comme sur de nombreux sujets, et on tient à le préciser, on a cherché à être constructif. Donc j'avais proposé un compromis, et ce n'était pas reprendre le modèle d'Angeloire Métropole, c'est pas ce que j'ai écrit. J'avais demandé à ce qu'on inclue les délibérations comme ça se faisait à Angeloire Métropole. J'avais proposé aussi de mentionner le sens des interventions de chacun, pas un verbatim, juste déjà l'objet des interventions, avec le minutage correspondant sur la vidéo, de fait que si des citoyens décident de lire le PV, ils n'aient pas à se coltiner toute la vidéo pour quelque chose qui est en fin de vidéo. L'effet marquant, comme la coupure du micro, comme par exemple la proposition aussi de texte qu'on avait demandé de soutenir. Et donc, comme à votre habitude, là, ça a été justement une fin de non-recevoir, mis à part la question des délibérations qui sont maintenant dans le PV. Avec évidemment la référence au règlement intérieur que vous venez de citer. Donc c'est vrai, le dernier conseil municipal, le 26 septembre, vous avez voté pour un nouveau cadre de PV. Cela ne nous empêche pas cependant de réfléchir deux minutes au sens que prend ce nouveau PV dans ce cadre-là. Et en premier lieu, de répondre à la question « à quoi ça sert un PV ?» C'est-à-dire que là, on s'accorde tous pour dire « ok, on fait un PV, mais à quoi ça sert ? » Quel sens ça va avoir cet écrit-là pour nos concitoyens ? Donc nous sommes donc intéressés déjà au cadre législatif pour connaître nos marges de manœuvre et justement savoir ce qu'on pouvait éventuellement proposer. Pour que tout ça, ça garde du sens, encore une fois, pour les Trélazéennes et les Trélazéens. Donc après une rapide recherche sur Internet, on peut trouver sur le site des collectivitésterritoriales.gouv.fr un guide pédagogique afin, et là je cite, d'accompagner les collectivités territoriales et leurs groupements dans la mise en œuvre de l'ordonnance du 7 octobre 2021, ordonnance à laquelle vous faites référence dans la deuxième délibération du Conseil municipal du 26 septembre dernier. Et dans ce même guide, on peut lire le procès-verbal a pour objet, ce qui répond au questionnement de départ, d'établir et de conserver la mémoire du déroulement. Par exemple, discussion, débat, interruption de séance, trois petits points. Et des décisions de séance des assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs groupements. Le CGCT détermine désormais avec précision le contenu du procès-verbal, assemblée délibérante. Celui-ci doit ainsi mentionner donc la date lors de la séance, je vous passe la liste. Et en dernier point, la teneur des discussions au cours de la séance, qui s'entend comme le résumé des opinions exprimées sur chaque point porté à l'ordre du jour. La mention de l'ensemble des échanges n'est pas juridiquement imposée, certes. L'objectif est d'informer les citoyens sur les principales informations, interventions, idées et opinions évoquées au cours de la séance et dont la retranscription permet, le cas échéant, d'éclairer la décision prise par l'Assemblée délibérante. À titre d'illustration, on observera que l'inscription dans le procès-verbal des projets de délibération qui n'auraient pas été adoptés
à l'issue du vote est souvent indispensable à la compréhension des échanges. Donc évidemment, après lecture de cela, on a consulté la fameuse ordonnance du 7 octobre 2021 qui précise que le PV contient la date, l'heure de la séance, là encore je vous passe le détail, et la teneur des discussions au cours de la séance. Donc la teneur des discussions, ce n'est pas intervention, ça c'est pas la teneur des discussions. Alors bon, j'ai bien compris que pour vous, il y avait la loi et l'esprit de la loi, mais force est de constater que dans le PV que vous nous avez imposé et celui qui m'a été proposé, il n'y a aucun des deux. Nous vous demandons donc de revenir sur ce point du règlement intérieur lors du prochain conseil municipal afin de vous conformer à la législation en vigueur. Et je conclurai par une citation de Rosa Luxembourg qui résume ce que vous tentez d'imposer à ce conseil municipal. Sans libre affrontement d'opinion, la vie de n'importe quelle institution publique cesse, se transforme en une pseudo-vie dans laquelle le seul élément actif qui subsiste est la bureaucratie. La vie publique s'assoupit peu à peu. Et j'en terminerai là. Monsieur Boussion. Je vous remercie, monsieur Vagot, pour ces propos. Vous avez souligné que vous travaillez collectivement. Je tiens à rassurer que ici aussi, le groupe de la majorité travaille collectivement. Moi, je prends note et j'acte les contradictions que vous apportez au débat. Et il y a débat. Je crois à la fois qu'on est dans un apprentissage de ce décret de 2021 pour toutes les collectivités. De nombreux échanges ont eu lieu ici, là ou ailleurs sur ce sujet. Moi, je voulais juste rappeler que tous ces éléments-là, avouez que vous les avez à géométrie variable parce que votre représentant à Angers-Loire Métropole n'a pas étalé autant d'éléments sur ce sujet-là, alors que nous avons passé le même type de délibération en Angers Métropole. Maintenant, moi, je prends acte de ces contradictions et puis on va regarder ça attentivement. Alors, sur ces questions d'Angers Métropole, justement, là-dessus, on est justement dans la dernière citation que je viens de donner, puisque tout est fait pour qu'à Angers Métropole, on enlève justement le côté politique des choses. Monsieur Fagot. Mais là, je me permettrai de vous dire la parole. De me couper la parole ? Non. De demander la parole. Pour pas que je vous la coupe, il faudrait déjà la demander. C'est la bienséance du conseil municipal qui le demande. Je vous l'accorde. Merci. Merci, monsieur le maire. Alors, je disais justement qu'on enlève tout sens dans ces institutions en faisant des comptes rendus comme ce qui nous est proposé. Et ce qui se passe à Angers-Loire Métropole, c'en est exactement l'illustration. Et pourquoi on éloigne justement le pouvoir de décision des citoyens. Donc je ne vais pas me lancer dans toute une diatribe justement sur cette question-là d'éloignement de la démocratie des citoyens. Mais justement, si on peut éviter ça dans ce conseil municipal, ça ne serait pas plus mal. Alors, monsieur Fagot, vous avez raison que dans ce conseil municipal, on essaie de respecter la loi, rien que la loi et la règle. D'ailleurs, je me fais écho de ce qui s'est passé par rapport au vœu que vous avez présenté la dernière fois. On veut que vous avez sorti du chapeau en venant le distribuer en pleine séance du conseil municipal, alors que la règle veut que tout texte, tout document doit être envoyé en amont et discuté. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait pour nos vœux. J'ose même pas imaginer si c'est nous qui avons agi de la sorte, qu'est-ce que ça aurait été pris en compte. Pourtant, ce n'est pas ce que nous avons fait. Nous avons transmis. Et nous avons souhaité vous y associer la démarche de vœux transpartisane de l'AMF et de l'Association des maires des villes et banlieues. Et nous vous les avons envoyés dans les délais. Et nous avons pu avoir un débat serein là-dessus. Mais nous sortir le jour du Conseil un vœu en le distribuant comme ça, ce n'est pas non plus respecter la règle. Moi, je demande juste qu'on respecte la règle. Et rien que la règle. C'est tout. D'accord. Monsieur. Oui, tu fais bien la référence au dernier conseil municipal où on a découvert à l'entrée du conseil, au début du conseil municipal, un ordre du jour dans lequel était inclus le plan de sobriété énergétique de la ville, un dossier anodin hein, pour les années à venir, qui n'avait pas été discuté dans la commission développement durable qui avait eu lieu quelques jours avant, c'est ça? Tu parles bien de ce conseil municipal-là? Je parle du conseil municipal. Mais d'accord, donc on a découvert ce plan de sobriété énergétique le jour du conseil municipal. Non, mais oui. C'était juste pour qu'on soit bien d'accord sur
sur ce dont on parlait. Bon, de toute manière, je pense qu'on ne va pas continuer à polémiquer là-dessus. On va avancer gentiment, voilà, sur le conseil, parce que je pense que c'est un conseil qui est important. Et juste pour info, monsieur Ernoux, le plan sobriété, c'est une information. Vous nous demandez de voter. Ce n'est pas la même chose. Mais bon, tout n'est qu'une question d'interprétation. Voilà. Donc moi, comme je l'ai dit, la loi, rien que la loi. Nous, on vous a donné une information. Vous nous demandez de voter sur un document. Voilà. Ce n'est pas la même chose. Et c'est important de le préciser. Donc, on va commencer notre conseil municipal. Je me permets juste de faire une déclaration générale globale sur le conseil. Et après, on rentrera dans le vif du sujet. Exactement. Mesdames et messieurs les élus, j'ai pu lire dans la presse qui m'invite à faire une mise au point concernant le fonctionnement de notre Assemblée. Je le dis en toute franchise. Je souhaite que nos échanges soient sereins et constructifs. Dans ce cadre, je vous ai proposé lors de notre dernière séance, comme nous l'autorise l'article 17 de notre règlement intérieur, de fixer un cadre à nos interventions. Que les choses soient claires, et contrairement à ce que vous relayez, je ne limite ni le nombre d'orateurs, ni le temps de parole. Chaque élu peut s'exprimer. Néanmoins, et pour répondre à une tenue correcte de nos débats sans tomber dans l'invective, je souhaite qu'il y ait une prise de parole par élu et par sujet, ce qui laisse au groupe d'opposition un potentiel de 7 interventions par délibération, sans limite de temps. Cela est plus que raisonnable et conforme au droit et à l'expression de tous. Vous le savez, il n'y a aucune volonté de brider. Au contraire, je souhaite que chacun puisse s'exprimer sans que nous tombions dans ce travers du jeu ping-pong entre deux interlocuteurs, ce qui pollue nos débats et nourrit l'image désastreuse que nous pouvons donner d'un débat démocratique. Pour le dire de manière différente, je refuse que notre Assemblée se transforme en café du commerce. Je nous invite tous à plus de tenue par respect pour ceux qui nous écoutent et les fonctions qui sont les nôtres. Pour information, quand même, ce que je propose là est le fonctionnement classique d'une grande partie des assemblées de France. Cette mise au point faite, je suis heureux de vous retrouver pour cette séance du conseil municipal où prendra place notre débat d'orientation budgétaire. Nous vous présenterons nos ambitions solidaires, responsables et tournées vers l'avenir. Dans une période où nos concitoyens subissent une inflation historique, notre responsabilité en tant que collectivité locale est d'accompagner chacune et chacun tout en gardant le cap de nos orientations au service de notre ville et de ses habitants. Solidaire avec une consolidation des moyens donnés au CCAS, un taux d'imposition communale gelé, une absorption d'une partie de l'inflation sur le coût des repas à destination des scolaires et de nos aînés. En plus d'une attention portée au pouvoir d'achat des très lésaïens, nous souhaitons renforcer la qualité du service public avec des moyens supplémentaires mis sur l'éducation, la jeunesse ou encore l'administration générale. Responsable, car cet effort permis grâce à une gestion rigoureuse des deniers publics et une santé financière de notre collectivité. Cela s'inscrit dans le cadre d'une stratégie financière qui, à terme, nous amènera à diviser par deux la dette de la ville avant la fin de notre mandature. Par ailleurs, lors de cette séance, il vous sera présenté un rapport qui reprend notre application des recommandations de la CRC pour changer nos pratiques et les rendre pleinement conformes. Si je devais ajouter un adjectif à ces orientations, je dirais engagé. Au service de l'émancipation avec une culture de proximité,
mais aussi ce merveilleux outil qu'est le Festival de Trélazé pour décloisonner et ouvrir le champ des possibles en matière de goûts musicaux. Au service de l'éducation, comme vous l'avez lu, un PEDT que nous présentera tout de suite Mme Trineau, qui donne un cadre à notre envie d'aller plus loin. Je le dis en responsabilité, la ville de demain s'écrit dès aujourd'hui et passera nécessairement par notre jeunesse. Engagés au service du sport, en soutenant nos clubs, en faisant l'union avec le sport de haut niveau qui vient nourrir les pratiques locales et appuyer le rayonnement de notre ville. Au service des plus fragiles, avec un CCAS doté de moyens supplémentaires. Au service du développement de l'emploi et au soutien au commerce local avec la tenue de grandes manifestations. Au service de la citoyenneté et de la démocratie locale, loin des polémiques stériles, avec des outils à la disposition de nos concitoyens, comme les 10 000 euros consacrés au budget participatif que nous défendrons au moment du budget. 100 000, pardon. C'est ça. J'en terminerai là avec un engagement tourné vers l'avenir dans le cadre de la transition écologique en faveur du végétal et de la rénovation thermique de nos bâtiments. Ces orientations, je suis fier de les porter aux côtés de ma majorité et au service de tous les Trélazéens. Je vous remercie, mesdames et messieurs, de votre attention et j'ouvre les débats. Donc, suite à cette déclaration, est-ce que vous souhaitez prendre la parole ou est-ce que vous voulez qu'on attaque les délibérations ? Allons-y. Délibération numéro 2, projet éducatif territorial, Madame Pinault. Bonsoir à toutes et à tous. Pour petit rappel, la ville s'est engagée depuis 2013 dans la signature d'un premier projet éducatif de territoire. Il s'agit en fait d'une convention quadripartite entre la ville, le préfet, le DAZN et la directrice de la CAF. Le projet éducatif de territoire, on en a déjà discuté les années précédentes, c'est en fait un cadre de référence triennal commun dont l'objectif est de contribuer à la réussite éducative de tous les enfants de notre ville et en fait d'être aussi le garant d'une meilleure articulation entre les différents temps de nos jeunes. En 2013, pour petit rappel, nos ambitions étaient l'accès au savoir, à la culture et aux loisirs pour tous et la valorisation du rôle éducatif des parents. Ce PEDT de 2013 a été renouvelé en 2017 et avait les mêmes axes que celui de 2013. Et après évaluation, il avait été déterminé de l'ajout d'un nouvel axe qui était celui de la citoyenneté, de rendre nos jeunes responsables et avec des valeurs de citoyens. En 2020, chacun sait ici, la crise sanitaire qui a secoué notre pays, la vie de tous, y compris la vie municipale, a été rythmée par les protocoles. Le contexte a de même rythmé le travail collaboratif, notamment sur ce projet éducatif de territoire, sur le bilan de nos nouveaux formats de temps d'activité périscolaire. Il y a eu la nécessité, de par ce contexte sanitaire particulier, de prendre des avenants sur notre PEDT et de permettre enfin des temps d'échange en janvier, mai et juin 2022 pour faire le bilan de nos nouveaux rythmes sur les temps d'activité périscolaire, de travailler les axes et de travailler de nouvelles ambitions de notre PEDT. Alors, vous avez sans doute chacun pris connaissance du document qui vous était présenté. Il y a un rappel du contexte socio-démographique avec des données chiffrées, 23% de la population qui a moins de 18 ans sur notre ville. Vous avez également, je ne vais pas les rappeler parce qu'on les a déjà évoqués en septembre dernier, les chiffres sur la rentrée scolaire 2022 dans nos écoles maternelles et élémentaires, notre collège et le lycée professionnel. Vous avez également un rappel des différents services périscolaires, extrascolaires, de nos équipements, de nos offres de services culturels, sportifs et sociaux dans ce PEDT. Et les dispositifs contractuels y sont rappelés, comme la convention territoriale globale qui va être finalisée, la cité éducative, le contrat de ville, le programme de réussite éducative, le CLAS, les petits as, villes et vacances et le réseau d'écoute. Il y a également un focus sur l'organisation, les instances et l'évaluation.
Ce qui est important de retenir ce soir, et ce que je voulais partager avec vous, c'est que ce nouveau projet éducatif de territoire est le garant des objectifs partagés, qui sont déclinés en ambition. Le premier objectif que vous pouvez retrouver est celui de faire communauté, une alliance pour les acteurs pour répondre aux besoins des enfants et des parents. C'est la première ambition de notre projet éducatif de territoire, la volonté effectivement de réunir les acteurs éducatifs. Cet objectif est décliné en trois ambitions, qui sont la volonté de co-construction avec les acteurs éducatifs et au-delà. C'est l'articulation des dispositifs contractuels et le fait de travailler effectivement avec les partenaires que je vous ai cités tout à l'heure. Les ambitions sont aussi de reconnaître et de soutenir, et on retrouve les ambitions des premiers PEDT, les parents, dans leur responsabilité particulière dans l'éducation de leur enfant. C'est de trouver des espaces effectivement de parentalité, de permettre par exemple dans les accueils de loisirs d'avoir des ateliers avec les parents, les accompagnements aux sorties scolaires qui sont proposés notamment dans le cadre d'étapes, et puis tout le travail qui est mené dans le cadre du programme de réussite éducative. La dernière ambition de cet objectif est de favoriser la continuité éducative. Alors c'est là la meilleure, favoriser l'articulation des différents temps de l'enfant, scolaire, périscolaire et extrascolaire. Le meilleur exemple, mais sans le développer plus avant parce que nous avons eu de nombreuses discussions là-dessus, c'est bien évidemment le travail qui a été fait sur le nouveau format des temps d'activité périscolaire, avec un bilan et une satisfaction générale sur ce temps qui est désormais de 3 heures par après-midi par classe, et qui permet effectivement de répondre aux ambitions de nos temps d'activité périscolaire. Réussir le pari de l'éducation, c'est permettre à nos jeunes de réussir et de s'épanouir dans leur projet personnel. Et c'est aussi l'objectif 2, de comprendre le monde en favorisant l'accès pour tous au savoir, à la culture et aux loisirs. Donc cet objectif est décliné lui aussi en 3 ambitions. L'ambition de favoriser les apprentissages par l'art, la culture comme vecteur d'émancipation. Alors je pourrais vous donner l'exemple de l'orchestre à l'école, avec un objectif de réussite bien évidemment scolaire, mais également personnel. Nos élèves qui, actuellement, avec l'exposition du GATT, peuvent effectivement se rendre aux anciennes écuries avec leurs enseignants. C'est ce qui se passe là cette semaine sur cette exposition du GATT. L'ambition aussi de pratiques physiques et sportives qui vont permettre le bien-être et le respect de l'autre. On a tout ce qu'on propose aux scolaires lors des grands événements comme l'Open, comme le basket. La semaine de l'Olympisme l'an dernier, qu'on va renouveler cette année, et des équipements qui sont ouverts également pendant les vacances scolaires. Voilà, on met en place des possibilités pour que cette pratique physique et sportive soit un accès pour tous nos jeunes à cette pratique. Et puis la dernière ambition dans cet objectif, langage et culture, mettre des mots sur le monde, c'est bien évidemment l'acquisition au langage. On a par exemple la semaine linguistique sur l'école Gérard Philippe, et je ne citerai qu'un autre élément, par exemple les classes flexibles que nous avons permis de mettre en place sur... Alors, il y a l'école Paul Fort qui s'est saisie des classes flexibles. Également, cette année, l'école Dufour qui expérimente effectivement également ce dispositif qui est une aide à l'apprentissage, à la concentration et à l'apprentissage de la lecture, notamment. L'objectif numéro 2, donc, permet une responsabilisation citoyenne de nos jeunes, et cet objectif numéro 3 et non pas numéro 2 est décliné lui également en 3 ambitions, où on va renforcer les espaces de participation et d'engagement. Pour citer seulement 2 exemples, notre conseil municipal des enfants et depuis déjà une semaine ou 2, la possibilité dans le cadre du parcours citoyen de nos temps d'activité périscolaire pour les jeunes, ça s'appelle le parcours citoyenneté, de notamment venir en mairie, visiter et voir et échanger avec les élus.
La deuxième ambition, c'est de favoriser, de rencontrer et développer l'esprit critique. Nous avons eu également des élèves qui ont pu participer à l'instant reporter, rencontrer les photographes, échanger. Et puis, il y aura au mois de décembre un film « Allons enfants » qui sera projeté à l'avant de scène, qui est ouvert à tous. C'est un film documentaire sur la possibilité de réussite scolaire. Dernière ambition, encourager le civisme et le respect. Je prendrai l'exemple de la semaine de l'olympisme dans cet axe qui est pour nous également important. Se dégage aujourd'hui un nouvel axe qui est de fixer l'ambition de comprendre le monde, parce que notre monde change, et préparer le monde de demain et accompagner les transitions à travers là trois ambitions. Développer l'usage numérique responsable et prévenant les risques, donc c'est des conférences, de permettre de mettre en place le permis Internet pour nos jeunes, et puis l'installation d'un conseiller numérique qui peut être là, et puis mettre en place des outils d'accompagnement sur un usage numérique raisonné pour nos jeunes. L'environnement, une richesse à préserver avec... l'idée de favoriser la sobriété énergétique. Alors, je prendrai juste l'exemple du savoir à rouler qui a été mis en place, un des enjeux l'an dernier sur la classe Dufour pour les CM1, CM2. C'est quelque chose qui doit effectivement perdurer sur cette ambition. Et puis enfin, améliorer la santé et le bien-être, hein, puisqu'on est bien sur toutes ces notions, sur le parcours de l'enfant, sur tout le temps de l'enfant. Là, c'est l'action, par exemple, bucco-dentaire, des référents de parcours sur la réussite éducative. C'est important, pourquoi ? Parce que ça peut permettre, j'en parle à cet endroit, ça peut permettre à des familles d'avoir, grâce à notre référent de parcours, un accès aux soins, d'accompagner, là, et c'est de la parentalité aussi, nos jeunes parents, qui seraient éloignés du soin, à pouvoir avoir effectivement cet accès. Donc on a une population jeune, et c'est une chance, c'est notre projet éducatif de territoire 2022-2025, il faut le considérer comme une boussole, avec un cap, et le cap c'est nos quatre objectifs, hein, que je viens de vous souligner. Avant de passer au vote, je voulais juste préciser que du coup on a transmis bien évidemment notre projet de PEDT aux différentes instances, et on a un retour de la CAF qui nous demande de préciser plus avant le rôle de... Enfin, un paragraphe sur l'articulation avec l'offre périscolaire et extrascolaire proposée par l'association Vivre Ensemble. Donc je vous propose ce soir de rajouter ce paragraphe qui vous sera transmis pour information, et qui sera validé donc par les partenaires. Voilà, c'est juste l'élément que je voulais préciser avant de passer au vote, s'il y a des questions. Exactement. Donc, merci beaucoup, Madame Pinault. Avant de donner la parole, je voulais juste insister sur le fait de ce travail collaboratif, et je le reprends dans mon édito parce que, pour moi, il était important de le dire, et je reprends un proverbe africain. Permettez-moi ce petit message qui dit « Il faut l'ensemble d'un village pour qu'un enfant grandisse ». Et c'est vraiment dans cette optique-là que ce PEDT a été construit. Et j'espère que l'ensemble du village trélazéen, tous les acteurs éducatifs trélazéens, accompagneront nos enfants pour qu'ils puissent grandir dans de bonnes conditions, vu que l'éducation est notre priorité. Monsieur Arnoux, je vous laisse la parole. Donc... Tout d'abord, comme on l'a fait lors du dernier conseil municipal à propos du plan de sobriété énergétique, ce que je disais tout à l'heure, nous regrettons de découvrir cet important dossier seulement lors de la réception de l'ordre du jour, c'est-à-dire tout juste 5 jours, c'est-à-dire le délai légal minimum. Une nouvelle fois, vous faites le choix de la mise devant le fait accompli sur un dossier qui devrait rassembler l'ensemble du village, comme le dit sagement, effectivement, un proverbe africain, et comme tu le rappelles, Lamine, que tu as cité dans ton édito de ce document. Mais comment rassembler l'ensemble du village quand des parties non négligeables de ce dernier sont écartées de la construction du projet ?
Quand cette pratique se répète inlassablement, eh bien, ce n'est ni une erreur, ni une maladresse, mais c'est bel et bien un choix de gouvernance. Vous ne voulez pas du travail collectif. Enfin, nous balancer, puisqu'il s'agit de rien d'autre, un document si conséquent dans des délais si courts pour l'étudier, montre aussi un manque de respect et pour les élus que nous sommes, et sur le sujet mis en débat. On voit la taille hein, du document. Revenons maintenant au PEDT, donc signé, comme le disait Véronique tout à l'heure, signé initialement en 2013, renouvelé en 2017, puis prorogé en 2021. Ce PEDT se présente comme le cadre de référence commun pour l'ensemble des acteurs éducatifs de la ville. Il est garant d'une meilleure articulation des temps de vie de l'enfant, temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, des 2 à 18 ans, avec une attention particulière portée aux enfants âgés de 2 à 11 ans. Sa mise en œuvre devrait s'accompagner nécessairement d'une volonté forte de renforcer le travail partenarial avec l'ensemble de la communauté éducative, les parents, l'éducation nationale, les associations d'enfants jeunesse, sportifs, culturels, institutions. Voilà. Le PEDT 2017-2020 était construit autour de 3 axes structurants. L'accès pour tous au savoir, à la culture et aux loisirs. Ensuite, la valorisation du rôle éducatif des parents et la citoyenneté. Donc, il est indiqué, je ne sais plus trop où dans le document, qu'il y a eu des temps d'échange avec la communauté éducative, formelle ou informelle, donc ça je ne sais pas trop ce que c'est, pour faire un bilan, durant l'année 2022 pour évaluer la mise en œuvre du PEDT 2017-2020 et travailler à la définition des orientations du PEDT 2022-2025. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Y a-t-il eu des échanges formels avec les directrices ou les directeurs d'école? Y a-t-il eu des échanges formels avec les parents? Une évaluation s'appuie notamment sur une analyse de l'évolution d'une série d'indicateurs définis initialement. Où sont les comptes rendus de ces échanges et de l'évaluation? Ces documents, je suppose, doivent exister puisqu'ils ont dû permettre, ce sont eux qui ont permis d'élaborer les axes et les objectifs de ce nouveau PEDT. Et je pense, je ne les ai pas trouvés dans le document qui nous a été fourni, que des nouveaux indicateurs ont dû être arrêtés. Sans quoi, il est compliqué de mesurer l'efficacité des dispositifs mis en œuvre, sauf au doigt mouillé, en se disant bah, « ça va mieux que ça allait avant ». Les 3 axes de cette nouvelle mouture sont donc poursuivre les 3 axes du PEDT précédemment, bon, là-dessus, il n'y a pas de souci, approfondir le travail en transversalité des acteurs éducatifs grâce au partage d'informations et à une communication fluide. Compte tenu des retours que nous avons eus des derniers conseils d'école, il semble qu'effectivement, il y ait de sérieuses marges de progression. Et favoriser des temps de réflexion et de travail commun des acteurs éducatifs de territoire, parents, enseignants, élus, animateurs. Ce dernier axe, indispensable selon nous, sonnerait vrai si notre expérience ne nous poussait pas à penser qu'il s'agit purement que de communication. Car cela peut vous étonner, mais nous sommes bel et bien totalement immergés dans la vie trélazéenne. Et les retours des acteurs de terrain que nous avons sont, en tout cas quasiment tous, une absence totale d'écoute de la part de la majorité. Comme au conseil municipal, votre conception du travail collectif se limite à une présentation de ce que vous voulez faire, point à la ligne. Ça n'est pas notre conception du travail en commun, ni celle de la majorité des acteurs concernés par les différents projets. Les retours des différents conseils d'école qui se sont tenus depuis la rentrée nous indiquent un mécontentement très souvent lié à une absence d'écoute de ce qui vient du terrain. Et que ce soit ce que ça vient du terrain d'un part des professionnels ou des parents. Vous êtes essentiellement dans la communication, ce qui ne veut pas dire que rien n'est fait, entendons-nous bien. Mais vous êtes essentiellement dans la communication. Mais par exemple, quand nous décidons collectivement, je n'ai pas retrouvé la date, mais en conseil municipal, il y a un peu plus d'un an, c'était en visioconférence, je m'en rappelle, lorsque la nouvelle organisation d'étape a été arrêtée, lorsque nous décidons collectivement de faire ensemble le bilan et avec les acteurs concernés de la nouvelle organisation d'étape, il faut le faire, ce bilan collectif. Mais il n'a pas été fait. Hein ? S'auto-convaincre que tout va bien et que ça va mieux qu'avant, ça n'est pas les bonnes méthodes. Communiquer à tout va sur les formidables équipements informatiques mis à la disposition des écoles par la ville, c'est bien. Valoriser les arrobases à coups d'articles de presse, c'est très bien aussi. Mais répondre aux problématiques rencontrées par les utilisateurs sur le terrain est beaucoup plus utile. Je ne vais pas faire une liste à la Prévert.
Mais ce dossier fait partie de ceux qui auraient mérité que nous nous y penchions sérieusement ensemble, et nul doute que nos différentes sensibilités et expériences auraient permis de l'enrichir. Au lieu de cela, vous agissez par le mépris en nous l'envoyant purement et simplement, le transformant en un simple outil de communication. Monsieur le maire, rassembler l'ensemble du village ne doit pas être seulement un slogan. Nous allons donc voter contre, pas spécialement sur le fond, puisque nous n'avons pas eu le temps, nous regrettons de ne pas avoir eu le temps nécessaire pour y travailler, mais sur la forme, parce que justement nous n'avons pas eu les conditions réunies pour pouvoir y travailler. Merci. Madame Pinault, puis j'interviendrai après. Juste préciser que, comme les autres documents, ce document vous a été envoyé dans les délais réglementaires. Et alors, je ne comprends pas bien la phrase qui consiste à dire que nous sommes juste dans la communication, mais qu'en fait, on fait quand même quelque chose. Donc, nous, on est dans l'action au quotidien. Alors, je veux bien des retours de conseils d'école. Les conseils d'école, pour y participer, j'entends ce qui se dit. Alors, pour vous dire que la communication, elle existe, parce que le dernier auquel j'ai participé a duré 2h30. Hein. Donc, je ne vois pas comment on peut me dire qu'aujourd'hui, on ne communique pas avec les parents d'élèves, avec les représentants qui siègent dans les conseils d'école. Enfin, on écoute. Hein. Ben si, on écoute, on débat et on agit. Oui, non, mais... Enfin, je tiens à le préciser quand même, parce que le travail qui est fait par le service éducation sur la ville de Trélazé est important. C'est un travail effectivement d'écoute, de compréhension, de mise en relation des différents partenaires. Je ne peux pas entendre ici qu'il n'y ait pas eu de débat sur le nouveau format des temps d'activité périscolaire. Ah bah... Alors, il y a eu des débats en conseil d'école et largement nourris, je peux vous l'assurer, parce qu'avec Christophe, on a terminé parfois à minuit, minuit et demi, quand on avait les conseils d'école, les parents d'élèves. On a eu des échanges, des visios avec les parents d'élèves. Alors, on avait le contexte sanitaire, je l'ai rappelé tout à l'heure. Je veux bien en reparler. Enfin, tout le monde avait les mêmes difficultés. Effectivement, on n'était pas en face à face, on était en visio. Mais les parents ont été conviés à ces visios. Après, libre à eux d'y participer ou de ne pas y participer. C'était le mode de fonctionnement à ce moment-là. Je ne peux pas entendre ici qu'on n'ait pas débattu des nouveaux formats des temps d'activité périscolaire. Et le bilan est positif. Hein. Je veux dire, pour participer au conseil d'école, les parents soulignent effectivement l'intérêt de ces nouveaux rythmes. Alors évidemment, tout le monde peut s'améliorer. Évidemment, on peut... Alors vous dites qu'on est juste dans la communication. Les parents, ils souhaitent tout savoir sur les parcours, par exemple. Eh bien, Léo Lagrange, à cela, a répondu. On vous donne en début d'année des informations. Vous ne demandez pas aux enseignants à quelle heure ils font maths, à quelle heure ils font lecture, à quelle heure ils font histoire-géo. Enfin, voilà. Donc, mais ça, les échanges sont nourris. Et pour... Enfin, je suppose que chez vous, il y a des élus qui connaissent parfaitement ce que c'est qu'un conseil d'école. Et les conseils d'école, effectivement, on y débat largement et on n'est pas à refuser le débat sur les questions qui sont posées. Sinon, ça ne durerait pas 2h30. Voilà, moi, ce que j'avais à dire. Ce projet éducatif de territoire, il est une ambition commune. Si vous ne voulez pas en faire partie... Ben c'est dommage pour nos jeunes, en fait. C'est ça que je retiens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Monsieur Arnaud. Oui, je suis désolé, j'ai sans doute pas été très clair. On peut, alors d'abord, Véronique, on peut discuter pendant des heures sans forcément qu'il y ait de communication ou de prise en compte de ce qui est dit. Non, mais c'est pas la durée des discussions qui fait que la discussion est de qualité et qu'elle serve à quelque chose. Et je ne dis pas que c'est 100% du temps. La preuve, c'est il me semble avoir dit que ça ne veut pas dire que rien n'est fait. Reste que, puisque tu t'es focalisé sur l'étape, je vais rester sur l'étape. Le PDT, c'est pas que l'étape. Hein. Mais t'as centré ton propos sur l'étape. J'ai dit, mais quand, par exemple, nous décidons collectivement en conseil municipal. On sait qu'il y a eu des débats sur l'étape. C'est bien pour ça qu'on pense que le conseil municipal aurait dû être saisi de cette question
comme on l'avait demandé et comme ça avait été décidé collectivement. Alors c'est vrai que c'était pas encore l'ami Nam qui était maire de Trélazé, mais c'est pas grave, il y a de la continuité de la décision de la commune. On avait décidé qu'avec, suite à cette nouvelle organisation, compte tenu des débats que ça avait généré déjà à l'époque dans les écoles, on avait convenu ensemble, d'ailleurs on avait acté la nouvelle organisation d'étape, on ne s'y était pas opposé, et on avait convenu en revanche de faire, il y avait une clause de revoyure, en disant on refera le bilan avec les acteurs concernés, de façon à voir qu'est-ce qu'on garde, comment on bouge les lignes, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il faut faire autre chose, etc. C'est ça qu'on veut dire. Donc après, effectivement, que vous ayez eu des remontées, que vous en ayez tenu compte, mais ça, j'en sais rien, comment veux-tu qu'on le sache ? On n'a aucun retour de ce qui s'est dit sur l'étape, dans les écoles, dans les Parler ou la Grange, etc. On n'a aucun retour. Alors moi, je veux bien te croire sur parole, mais je suis quand même quelqu'un de responsable. J'aurais aimé qu'on prenne un temps, qu'on soit associé, qu'il y ait une réunion spécifique sur le PEDT pour faire un bilan du PEDT qui arrivait à échéance. Parce que voilà, là tu dis, vous voulez pas vous associer. La question, c'est pas qu'on veut pas s'associer, c'est qu'on nous pose un paquet, on a 5 jours pour lire 300 pages, et à l'occasion, on travaille un petit peu aussi. Donc débrouillez-vous avec ça, et puis si vous vous prononcez pas avec nous, c'est que vous êtes contre. Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Et je sais que tu es beaucoup plus intelligente pour bien avoir compris ce que j'ai voulu dire, Véronique. Donc évite de caricaturer mon propos, ce serait très sympathique. Merci. Bon. Je me permets d'intervenir. Moi, je ne comprends pas notre opposition. Parce qu'on est dans une logique d'une équipe majoritaire qui gouverne et d'une opposition. Et ce qui veut dire que c'est notre orientation politique, c'est notre projet sur lequel nous travaillons, que nous défendons et qu'on propose. Mais vous, vous proposez quoi ? C'est quoi le projet éducatif de l'opposition ? Vous ne faites que commenter. Vous ne faites... Non ! Aujourd'hui, de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est le jeu de la démocratie. Il y a une majorité et une opposition. La majorité travaille, propose, et l'opposition peut faire des contre-propositions. Il n'y a pas de difficulté. On est sur une notion de projet. Que ça vous... Quand vous aussi, en conseil municipal, mais c'est ce qu'on attend. Proposer. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, moi, ce que j'explique ici aujourd'hui, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que nous, nous sommes dans l'action pendant que vous êtes dans le commentaire. Vous ne voulez pas travailler collectivement, c'est ça la règle. Et tout en faisant part, vous voulez travailler collectivement. Non, nous, on est une majorité, on est dans la démocratie ce qu'on appelle la notion de démocratie représentative. Jusqu'à preuve du contraire, c'est le jeu de la démocratie. Et il y a la notion de démocratie participative. On met en place des instances de concertation avec la population. C'est ces notions de représentation participative sur lesquelles on travaille. Et chaque fois qu'on a besoin de concerter dans les conseils d'école, en caisse des écoles, dans les structures de commissions participatives où on discute avec la population, sur notre projet politique sur lequel nous avançons. Et moi, malheureusement, la seule chose que je constate, c'est que pendant que nous, nous avançons sur nos projets, vous, vous commentez. Nous, nous avançons. Nous, nous sommes en action. Nous ne sommes pas dans le commentaire. Vous n'êtes que dans la caricature, dans le commentaire, à vouloir faire croire qu'il n'y a pas de démocratie ici, alors que le jeu de la démocratie, elle est là. Je suis désolé. Nous, on a notre projet politique, ce qu'on a présenté. D'ailleurs, vous avez présenté un projet différent. Les Trélazéens ont fait leur choix. Nous, on prend notre orientation. Je ne vois pas en quoi... on associe la population. C'est aussi simple que ça. Donc nous, aujourd'hui, on a un projet ambitieux sur lequel on a concerté, on a travaillé avec les Trélazéens, avec le circuit éducatif, les enseignants, les parents, et on fait cette proposition-là. À la rigueur, s'il y a des choses sur lesquelles vous êtes contre, dans le tact, s'il y a des choses que vous voulez amender, amendez-le, c'est votre droit. C'est ça le jeu de la démocratie. Dans n'importe quelle structure, on prend les éléments, on n'est pas d'accord, on fait une contre-proposition ou on les amende. Mais vous, vous n'êtes que dans le commentaire. Donc continuez à commenter là-dessus. Nous, de toute manière, on a un projet ambitieux qu'on va proposer au vote. Et après, si vous votez contre, c'est votre droit, c'est le jeu de la démocratie. Monsieur Batté. Moi, Lamine, tu vas dans le sens de ce qu'on demande depuis le début du mandat, c'est-à-dire de recréer des commissions.
Il n'y a aucun problème, Lamine. Tu crées une commission éducation et crois bien qu'on sera partie prenante pour travailler avec vous et apporter ce qu'on a apporté sur la question, éducative. Regarde, tu nous dis aujourd'hui apporter des propositions. On a reçu, il y a 4-5 jours, cet énorme document qu'on découvre. Mais non, mais il n'y a pas que ça au menu quand même aujourd'hui. Tu es d'accord avec moi? Tu nous envoies ça et tu nous dis faites vos propositions. Déjà, le temps de lire, de travailler sur ce qu'il y a dans ce que vous nous avez envoyé, on arrive à aujourd'hui. Et tu veux en plus qu'on t'envoie les choses avant. Tu nous le dis, il faut que ce soit envoyé, vos propositions, dans les délais. Moi, je te pose la question, comment on fait? Donc, moi, Lamine, je pars du principe que si tu souhaites qu'il y ait un travail collectif qui soit mis en place et qu'en effet, on ne se contente pas d'être dans le commentaire ce soir, parce qu'on ne peut être que dans le commentaire par rapport à ça, vu les conditions que tu as créées pour la discussion de ce soir, mais recréer des commissions. Tu vas voir, sur l'éducation, fais-nous confiance, on va avoir plein de choses à te dire et de propositions à te faire. Et s'il y a des choses, et si tu souhaites jeter un petit coup d'œil aux propositions qu'on faisait en termes d'éducation, reprends notre programme, tu verras, il y a plein de choses. Et c'est sur le blog, c'est en ligne, tu pourras faire... T'inquiète pas. Ensuite, sur la question des associations, sportives, des associations culturelles, de la même manière, on va arriver avec le budget, là, il va en être question. Mais il n'y a aucun problème. Recréer des commissions ou des groupes de travail sport, des groupes de travail culture, etc. Moi, j'ai participé à un, parce qu'il n'y en a pas eu 50, groupe de travail culture, et je pense que... Oui, il y en a un ou deux, et puis l'autre, j'étais malade. Tu pourras demander à ta camarade de gauche, est-ce que j'ai été dans un esprit d'opposition? Est-ce que j'ai été dans un esprit d'opposition? Non, du tout. Donc... Moi, je veux bien qu'on nous demande de participer, mais en effet, tu es à la majorité, tu es maire de Trélazé. Crée-les les conditions, recrée des commissions, et tu verras qu'on sera partie prenante, et tu verras que ça détendra beaucoup nos rapports. Mais ça, tu ne peux pas aller contre ce que je te dis là. On t'a fait combien de fois la demande de recréer des commissions ou des groupes de travail, t'appelles ça comme tu veux. Mais crée les conditions, c'est toi qui as la main, c'est toi le chef. Sébastien Boussion, après je répondrai. Bon, déjà, je suis rassuré par une des dernières phrases de M. Battet, c'est que nous sommes le 28 novembre et enfin Lamine Naham est maire de Trélazé, donc merci. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Non, plus sérieusement, y a un sujet que vous évoquez sur lequel on peut, nous, être attentifs. Néanmoins, si je prends l'exemple des temps d'activité périscolaire, je vous rappelle que nous avons un délégataire des activités socio-éducatives à qui nous avons confié l'organisation de ces temps, dont l'orientation politique a en effet, comme l'a dit M. Ernoux, été validée ici au sein de notre conseil et dont l'application et l'organisation est de la charge et de la responsabilité de notre délégataire. Vous avez l'occasion, comme chacun d'entre nous ici au conseil municipal, de pouvoir consulter à minima une fois par an le rapport du délégataire dont un large chapitre est fait sur l'évaluation et la présentation de ce qui se passe dans les temps d'activité périscolaire. Et je prends cet exemple-là parce qu'il me semble intéressant, parce que je pense, et ça j'espère qu'il y aura unanimité sur ce que je dirais, mais c'est que nous sommes tous attentifs à ce que sont les usagers, et là en l'occurrence les enfants. Et donc dans ce rapport du délégataire, qu'il y ait des verbatims d'enfants qui s'expriment sur le ressenti, certes, c'est un ressenti, certes, ce ne sont pas des indicateurs, mais c'est la hauteur de la vue d'enfants de la petite section au CM2, et je pense que c'est aussi à prendre en compte. Donc ça existe, ces documents existent. Maintenant, moi, je pense que j'entends ce que dit M. Battet en disant « comptez sur nous, sur les propositions ». Moi, je suis convaincu qu'en plus, les propositions que vous feriez, elles sont dans ce PEDT. Je pense que... évoquer cette quatrième ambition est de préparer l'avenir, d'inscrire la question éducative et la question des transitions énergétiques, des transitions sociales dans lesquelles nous sommes. Je pense que c'est quelque chose que vous auriez proposé aussi. Et c'est pour ça que c'est la seule interrogation que moi j'ai ce soir, c'est qu'au vu de tout ça, je n'arrive pas à saisir le vote contre. J'aurais compris un vote d'abstention. Mais le vote contre... appelle à cette idée d'opposition à ce document.
Que vous soyez dans une volonté de l'amender, de vous en saisir par des créations de commissions, comme vous l'avez évoqué, ou par ceci ou par cela, dont acte. Mais ce soir, abstenez-vous, mais ne soyez pas en contradiction. Je suis sûr que dans ce document, si vous aviez peut-être en effet plus de temps, peut-être qu'il y aurait eu des commissions, je suis sûr qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes profondément d'accord, et vous seriez peut-être même allé moins loin que nous, ou en tout cas dans les mêmes propos que nous. Bon, de toute manière, je pense qu'on va passer au vote, mais je veux juste faire une petite précision. La démocratie, elle est représentative et participative. C'est au-delà de ce conseil municipal, c'est aussi d'y associer les populations dans le cadre de la réflexion. C'est pour ça que nous avons mis en place les commissions participatives. Qui instaure des instances de dialogue, de travail avec tous les élus et tous les habitants, et vous avez refusé d'y participer? Ah bah si. Ah si. Donc, moi j'entends. Non mais, Christophe, on va arrêter, on va passer au vote, tout simplement. Non, moi je polémique pas. Je polémique pas. Je ne polémique pas. Monsieur Batté m'a dit créer des commissions. Je lui dis qu'il y a des commissions participatives où tous les élus du conseil municipal ont été invités à s'inscrire. Voilà. Donc, globalement, voilà. Donc tout simplement, je ne vois pas, en fait, en quoi on ne peut pas travailler par rapport à ça. Après, j'entends qu'il n'y a peut-être pas une commission participative éducation. À la rigueur, ça peut être une discussion qu'on peut avoir sur le fait de dire qu'il faut peut-être créer une commission participative éducation, dont acte. Mais n'empêche que dire qu'il n'y a pas d'instance de dialogue et de discussion pour l'opposition, c'est pas vrai. Je t'en prie, Boris. Et après, on en arrête là, parce que je pense qu'on n'a pas de problème. Et on a été très, très clair là-dessus, notamment parce que tu as fait référence à notre conférence de presse, et puis c'est à ça que tu fais référence encore une fois. Ah bon, On a quand même eu des sacrés débats sur le contenu et le mode de fonctionnement des commissions participatives au début du mandat. Et on a quand même fait largement part de notre opposition, notamment, je ne vais pas te refaire le débat sur la clause de confidentialité, etc., et notre opposition à la manière dont vous les conceviez. Premier point. Deuxième point, sur notre participation. Les commissions participatives, si elles sont faites pour faire participer le plus grand nombre, je ne suis pas persuadé que si l'ensemble des élus demandent à y siéger, ce soit très convaincant sur la nature même de ces commissions dites participatives. Ensuite, troisième point, et je le redis par rapport à notre conférence de presse de l'autre jour, le fait qu'il y ait des commissions participatives, c'est des choses qu'on a demandées depuis des mandats, depuis plusieurs mandats. Donc, bien évidemment, il ne s'agit pas de s'opposer à l'existence de commissions participatives qui permettent au plus grand nombre de participer. Mais en quoi des commissions participatives sont-elles contradictoires avec des commissions d'élus ? Là, je ne comprends pas. Je finis par croire que la création de commissions participatives sert à éliminer les commissions d'élus. Voilà. Et à nous évacuer, justement, du débat politique sur les choix à faire pour notre ville. Ce n'est pas parce qu'il y a des commissions participatives sport, culture ou autre qu'il ne doit pas y avoir de commissions ou de groupes de travail fréquemment réunis entre élus. Sinon, c'est enlever des mains des élus la possibilité de pouvoir débattre des sujets de fond qui intéressent nos concitoyens. Moi, je le redis, je suis favorable aux commissions participatives avec les citoyens. Je suis pour qu'il y ait des commissions et des groupes de travail d'élus qui se réunissent aussi en parallèle. Voilà. Il représente les citoyens. Bon, de toute manière, quoi qu'il arrive, je pense qu'on va en arrêter là. Je pense que le conseil municipal, la preuve, est vraiment un lieu où le débat politique et le débat d'élus et la discussion de projet contre projet se posent là. Donc nous, aujourd'hui, on vous propose un projet ambitieux pour nos enfants à Trélazé. Donc je vais mettre le projet d'éducation territoriale aux voix. Ceux qui sont pour ce PED lèvent la main.
Ceux qui sont contre. Merci beaucoup. Je commenterai même pas ça. Ça ne mérite même pas de commentaire. Sujet numéro 3. Non, Monsieur Garcia, s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir respecter cette instance. Mise en place du dispositif petit déjeuner à l'école maternelle Gérard Philippe. Madame Pinault. Nous continuons sur l'éducation. Au titre de la stratégie nationale de 2018 de prévention de lutte contre la pauvreté, pour encourager les écoles primaires situées dans les territoires en forte difficulté sociale, la distribution de petits déjeuners sur le temps périscolaire ou scolaire selon le choix de l'école et de la commune. Ce dispositif, nous l'avons déjà voté l'an dernier. Il concernait l'école Gérard Philippe et l'école maternelle La Maraîchère. Cette année, il concerne l'école maternelle Gérard Philippe. Et donc, il vous est proposé qu'à compter du 30 novembre prochain, des petits déjeuners soient proposés à l'ensemble des enfants de cette école. Ils sont 115. Ces petits déjeuners sont sous la proposition suivante. Je pense que ce sera comme l'an dernier. Le mercredi matin, enfin oui, ça c'est sûr, c'est le mercredi matin de 8h30 à 9h30, mais les enseignants auront chacun dans leur classe la possibilité d'offrir donc ces petits déjeuners à leurs élèves. L'objectif, c'est aussi de sensibiliser à l'éducation et à la nutrition, de favoriser une bonne concentration en ayant ce premier repas de la matinée et réduire bien évidemment les inégalités alimentaires. Alors là, il y avait eu aussi de la communication avec les parents en conseil d'école pour approuver effectivement ce dispositif sur l'école Gérard Philippe. Et il y a un lien très fort de parentalité puisque les parents sont aussi, depuis les restrictions sanitaires qui évoluent et disparaissent, ont la possibilité effectivement de participer à ces petits déjeuners avec leurs enfants. Et ce n'est pas seulement prendre le premier repas de la journée, c'est aussi pour les enseignants faire tout un travail sur un travail éducatif sur la couleur, la texture, le langage, les formes. Le calcul de tout ce qui compose les petits déjeuners. Et l'an dernier, c'était aussi pour cette école se saisir et permettre aux parents et aux enfants de prendre un petit déjeuner. Ils ont fait un petit déjeuner de Noël. Voilà. Ils sont allés au-delà de ce que proposait cette convention que je vous propose d'approuver, sachant que nous aurons pendant 26 semaines la possibilité d'offrir à ces enfants ces petits déjeuners le mercredi matin, ce qui comprend 2990 petits déjeuners. Je trouve que c'est plus parlant en le disant comme ça. Voilà, donc je vous propose d'approuver la convention. Est-ce qu'il y a des... Madame qui Pépin. Est faite avec l'Éducation nationale qui prend en charge, j'ai oublié de Madame dire, Pépin. 1,30 €. Nous allons voter pour cette délibération, sachant, comme souligne l'Éducation nationale, que 13% des enfants scolarisés en REP et REP plus arrivent le ventre vide. C'est vrai. Et ne bénéficient donc pas de bonnes conditions pour leur apprentissage. Ce dispositif est donc une bonne chose et va dans le bon sens. Néanmoins, nous regrettons qu'il ne soit mis en place qu'une seule journée par semaine. Scolaire, et que seuls les enfants d'une école maternelle puissent en bénéficier, alors que les écoles classées en REP sont au nombre de 8 A. En outre, nous aimerions savoir si ce dispositif pourrait être élargi à l'ensemble des écoles et s'il est prévu également d'être reconduit dans les années à venir, sachant que la situation économique risque d'entraîner de plus en plus de familles dans les difficultés financières. Alors, ce dispositif sera reconduit si l'Éducation nationale le reconduit. Si on commence cette année pour cette année scolaire seulement fin novembre, c'est qu'il fallait attendre effectivement l'aval de l'Éducation nationale, qui n'était pas sûre de remettre en ce dispositif en fonctionnement. Donc voilà, c'est pour ça qu'on passe la délibération seulement à cette date. Pour le reste, la proposition a été faite sur l'école Daguerre, l'école la maternelle Maraîchère. Seul Gérard Philippe a décidé effectivement d'intégrer ce dispositif cette année. Voilà.
Merci. Donc, je mets la délibération aux voix. Voix contre. Abstention, unanimité. Délibération numéro 4, plan jeunesse, attribution d'aide. Alors, attribution d'aide dans le cadre du plan jeunesse, donc, et ça on en parle aussi dans le projet éducatif des territoires d'ailleurs. La commission s'est réunie et a décidé donc d'attribuer, on a étudié 6 demandes et nous avons accordé 3 aides. Voilà, à hauteur de donc 3 900 pour aide, études et formation et 116 euros pour la bourse au projet. Petit rappel, depuis janvier 2022, ce sont 28 dossiers qui nous ont été soumis. La commission a décidé de 15 accords d'aide et à hauteur, depuis début janvier 2022, d'une somme de 22 390 euros pour ce plan jeunesse. Y a-t-il des commentaires pour cette délibération ? Pas de commentaires. Je mets aux voix, voix contre. Abstention. Madame Canevet. Contre. Pardon, voix contre. Donc, une voix contre. Abstention. Merci. Délibération numéro 5, Chambre régionale des comptes. Bilan à un an de la mise en œuvre des recommandations de la CRC des Pays de Loire. Donc, la Chambre régionale des Compte des Pays de Loire a effectué en 2020-2021 un examen des comptes et de la gestion de la commune de Trélazé pour les exercices 2015 et suivants. Cet examen a fait l'objet d'une contradiction avec la ville et a été délibéré par la Chambre le 7 septembre 2021, puis par le Conseil municipal le 29 novembre 2021. En application de l'article L243-9 du Code des juridictions financières, qui dispose que dans un délai d'un an, à compter de la présentation du rapport d'observation définitive à l'Assemblée délibérante, l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente dans un rapport devant cette Assemblée les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des comptes. Donc, la collectivité doit établir un rapport des actions entreprises pour répondre aux recommandations un an après sa délibération initiale. Lors de son rapport, la Chambre régionale des comptes avait fait 13 prescriptions. Donc, la première prescription, 1. Formaliser dans le règlement intérieur de l'Assemblée les procédures de prévention des conflits d'intérêts conformément au décret 2014-90 du 31 janvier 2014. Cette formalité, cette recommandation a été réalisée puisque des modifications au règlement intérieur du Conseil municipal de la ville de Trélazé portant sur l'intégration de la prévention des conflits d'intérêts ont été adoptées par décision DCM numéro 2 de la séance du 28 mars 2022. Deux réunions d'information à l'attention des élus ont de plus été organisées le 20 janvier et le 1er mars 2022. Et enfin, maintenant, un système de déport pour les élus intéressés a été mis en place. Deuxième recommandation, améliorer l'identification et la valorisation des risques dans les états financiers en ajustant le niveau des provisions aux risques identifiés conformément à la M14. Cette recommandation a été réalisée. Il y a une délibération annuelle du Conseil municipal du numéro 6-9 du 29 novembre 2021 et la délibération numéro 12 qu'on va voter tout à l'heure du 28 novembre 2022 et on poursuit la réflexion sur la constitution d'autres provisions, exemple par rapport au CET, ce sont des provisions liées au ce qu'on appelle, alors dans le droit plus privé, c'est les congés payés, les CET, c'est les comptes épargne temps, il est important de pouvoir les provisionner, on est en train d'évoluer dans ce cadre-là, mais on a mis en place un système de provision. Troisièmement, tenir la comptabilité d'engagement et la comptabilisation des restes à réaliser conformément à l'article L2342 du Code général des collectivités locales. Cette recommandation a été réalisée puisque maintenant l'accompagnement des services par la direction des finances pour l'amélioration de leurs engagements comptables et du suivi de ces derniers. Donc là, aujourd'hui, au niveau des services, la comptabilité d'engagement est prise en compte. Quatrième recommandation, comptabiliser les biens reçus ou mis en affectation conformément aux prescriptions de la M14. Cette recommandation est en cours. Nous sommes en lien avec le Trésor public pour déterminer les biens mis à disposition de l'EPIC Arena en annexant la liste de ces biens à la convention de mise à disposition. Et puis l'inscription se fera dans la maquette budgétaire au moment du BP 2023.
Donc au moment du BP 2023, on réalisera normalement cette prescription. Recommandation numéro 5, préciser les missions conférées à l'EPIC Arena. Donc ça, c'est réalisé, puisque la convention entre la ville et l'EPIC Arena Loire pour l'organisation du festival, il y a une délibération qui a été prise le 27 juin 2022. Recommandation numéro 6, appliquer la convention de refacturation passée avec l'EPIC pour se faire rembourser toutes les dépenses exposées en numéraire ou en nature par le budget communal. Cette prescription a été réalisée parce que maintenant la facturation de l'intervention des services de la ville à l'événement Rome Top 8 organisé à l'Arena Loire en 2022, en application de la convention de facturation entre la ville, donc c'est la DCM numéro 15 du 15 janvier 2018, la facturation de l'intervention des ressources humaines, de la commande publique, des services communication, services informatiques et services techniques. Et en application de la convention de facturation, facturation aussi de la mise à disposition d'un véhicule et d'une téléphonie à l'EPIC Arena. Donc toutes ces charges portées par la ville sont facturées maintenant à l'EPIC Arena Loire. Donc cette recommandation est réalisée. Formaliser les procédures applicables en matière de commande publique et en assurer le contrôle interne. Cette formalité et cette préconisation est réalisée puisque tout à l'heure, on va vous proposer le vote d'un guide de la commande publique et ce guide sera diffusé aux agents et élus concernés et des réunions de présentation seront organisées à leur attention. Nous en avons parlé en commission des finances. 8. Formaliser le recueil des besoins en matière d'achat public de manière à s'assurer du respect des seuils. Donc, c'est en cours. Donc, suite, je l'espère tout à l'heure, à l'adoption de la guide des commandes publiques, développement de nous mettre en place une nomenclature qui sera complétée par chaque service en fonction de ses besoins. Ces derniers seront ensuite analysés de manière globale pour la mise en œuvre de nouveaux marchés ou accords cadres interservices. Recommandation numéro 9, formaliser les relations avec l'EPIC Arena Loire en matière de commandes publiques. Ça, c'est réalisé puisque maintenant les commande publique, on a recruté, on en parlera tout à l'heure sur les frais de personnel, un agent supplémentaire au service marché public et la facturation de l'intervention du service commande publique de la ville de la ville à l'EPIC Arena à l'application de la convention de la décision du 15 janvier, du numéro 11 du 15 janvier 2018. Respecter l'ensemble des règles de la commande publique réalisée, donc rappel régulier aux agents et élus concernés de la nécessité de respecter ces règles. La diffusion et l'information sur les guides de la commande publique permettra de s'assurer de ce respect. D'ores et déjà, tout projet d'achat fait l'objet d'une information auprès du service de la commande publique qui valide la procédure de mise en œuvre. Recommandation numéro 11. Passer les marchés publics lorsque les associations subventionnées fournissent des prestations de services conformément à la loi numéro 2321 du 12 avril 2000. C'est réalisé puisque l'application de l'article R21-22-8 du Code de la commande publique pour l'attribution de la mission du Bureau d'information touristique et le développement d'actions touristiques à l'association Les Amis de l'Ardoise passe maintenant par une convention de prestation. 12. Mettre en cours une procédure pour le suivi de l'utilisation des subventions octroyées. Elle est en cours puisqu'on a une mise en place envisagée pour le suivi des subventions octroyées pour 2023. Et on en profite, Monsieur Karim. Oui, ça, c'est une action qui est en cours. Ça fait partie d'un sujet qu'on traite en commission participative sport, qu'on va avoir très prochainement par rapport aux critères, à l'évolution des critères d'attribution des subventions. Et suite à ça, quand tout ça sera défini, on pourra passer sur la partie suivi de ces subventions par rapport à ces critères. Voilà. Recommandation numéro 13, inscrire le concours du fonds de soutien instauré par les collectivités territoriales et certains de leurs établissements publics ayant souscrit des contrats de prêt ou des contrats financiers structurés à risque en engageant hors bilan au titre des engagements reçus conformément à la M14. Cette préconisation est recommandée puisque la prise en charge de la recommandation dans l'annexe B1-16 du compte administratif 2021 et du budget supplémentaire 2022. Donc, comme vous pouvez le constater, sur les 13 recommandations qui ont été faites par la Chambre régionale des comptes, il y en a 10 qui sont réalisées et 3 qui sont en cours de réalisation. Y a-t-il des commentaires concernant cette délibération, Monsieur Garcia? Bien. Sur les 13 recommandations faites par la CRC,
dans son rapport sur l'examen de la situation financière de la ville, la recommandation numéro 6 est mentionnée comme réalisée, alors qu'elle ne l'est pas en totalité. En effet, dans la refacturation prévue par convention du fait de la délibération du 12 octobre 2015 de la commune pour acter le maintien des emprunts et des amortissements liés à la construction de la salle Arena Loire dans le budget de la commune, cette délibération, selon la CRC, ne prend pas en compte les coûts afférents aux anciennes écuries. Dès lors, dit la CRC, dans son rapport, page 20, sur les comptes de l'EPIC, celui-ci doit rembourser notamment les travaux de la remise en état des anciennes écuries. À ce jour, la ville n'a pas facturé à l'EPIC ses travaux, donc ce volet n'est pas réalisé. En ce qui concerne le point 12, c'est ce que vous venez d'en parler, c'est peut-être en cours, mais nous ne sommes pas informés. Quelles démarches sont initiées? Quels types de contrôles sont prévus? Quel est le calendrier? Voilà ce que j'avais à dire sur ces recommandations. Je viens de vous le dire, Monsieur Garcia, sur l'action devant la recommandation numéro 12. Donc c'est en cours, on est en train de finaliser les critères. Donc via les commissions participatives, et donc ça va être mis en place après 2023. Non, mais je pense que j'ai bien compris. Puisque la recommandation, c'est de faire le suivi de ces critères d'attribution et des subventions, de faire via les subventions. Pour nous, c'est donc de faire un bilan de ces subventions. Comment elles ont été utilisées, un rapport sur ces subventions, et savoir à quoi elles ont servi réellement. Voilà. Ben ça, c'est fléché. Il n'y a pas que le sport. Je vous parle. Ah oui, d'accord. Général, hein. Le général. Ça, bon, ouais. Donc, je vous propose de prendre acte du bilan du rapport concernant la CRC et de prendre acte. En prenant en compte l'information de M. Garcia, que pour nous, 10 des recommandations ont été réalisées et les 3 sont en cours. Mais elle va l'être, puisque quand on prendra la délibération tout à l'heure concernant les relations entre l'EPIC et l'ARENA, je pense que vous avez lu le projet de convention. Les anciennes écuries ne feront plus partie, puisque les anciennes écuries, je pense que vous avez lu les délibérations du conseil municipal. On va vous le dire, voilà. on l'a bien lu, vous inquiétez pas, donc, on l'a bien lu. Donc les anciennes écuries ne faisant plus partie. Mais on n'a pas été informé. Bref. Les anciennes écuries ne faisant plus partie, donc ce qui veut dire que la recommandation sera réalisée. Pour l'instant, on n'a pas été informé là-dessus. Rien n'a été fait. Je pense qu'on n'a pas été informé à double titre, en tant que conseiller municipal et en tant qu'administrateur de l'ARENA. Monsieur Garcia, il y a un conseil d'administration de l'ARENA, le 1er décembre, à l'ordre du jour, il n'y a rien indiqué. Monsieur Garcia. Donc c'est de la démocratie, ça. Monsieur Garcia, d'une part, je pense que ce n'est pas dans le conseil municipal que normalement les administrateurs se déportent globalement. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous propose, pour nous, il y en a 10 sur 3 qui sont réalisés et les 3 sont en cours. Donc, je mets cette délibération aux voix. Voix contre. On prend acte. Allez. Prenons acte. Délibération numéro 6, convention de mise à disposition entre la ville de Trélazé et la régie Arena Loire. Madame Pinault. Donc, pour info, les membres du conseil d'administration d'Arena Loire se déportent sur cette délibération, à savoir. Excuse-moi, je vais juste le dire. Lamine Nam, Isette Albérac, Chantal Geoffroy, Frédéric Chamard, Élise Maury, Sébastien Boussion, Florence Berthaud, Gilles Ernoux et Jean-François Garcia. Madame Pinault.
La convention mise à disposition en date du 10 mars 2014, conclue entre la ville de Trélazé et la régie Arena-Loire, fixait les modalités administratives, techniques et financières par lesquelles la commune autorisait donc la régie à occuper les immeubles et espaces déterminés à l'article 2 du contrat afin d'y exercer la mission de service public industriel et commercial dont elle est chargée. Signée le 10 mars 2014, la convention avait fait l'objet de deux avenants, l'un en date du 30 juin 2017 et le second en date du 10 juillet 2020, portant sur la prolongation de la durée de mise à disposition et sur le montant de la redevance annuelle. Suite aux remarques, comme on vient de le dire, de la Chambre régionale des comptes et dans le cadre des travaux de clarification des relations entre la ville et l'EPIC Arena-Loire, Trélazé, Monsieur Garcia, je sais pas. Monsieur Garcia, je pense que vous pouvez respecter cette assemblée quand même. Tout à l'heure, madame, monsieur Arnaud parlait d'irrespect. Mettez-vous à la hauteur dans ce cadre-là et respectez cette assemblée. Merci. Suite aux remarques de la Chambre régionale des comptes et dans le cadre de travaux de clarification des relations entre la ville et l'EPIC Arena-Loire, il convient d'énoncer cette convention et d'en établir une nouvelle, plus précise, portant sur la mise à disposition des équipements ci-dessous à l'EPIC Arena-Loire Trélazé. Arena-Loire Trélazé est local multifonctionnel. Le projet de convention portant notamment mention du montant de la redevance annuelle versée par l'EPIC Arena-Loire à la ville est joint à la présente délibération. Compte tenu de ce qui précède, le conseil municipal décide de dénoncer la convention de mise à disposition du 10 mars 2014 et ses amendements 1 et 2 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition entre la ville de Trélazé et la régie Arena-Loire, dont le projet est joint à la présente délibération. C'est une question. Oui, Boris. Oui, alors bon, en effet, cette délibération a fait suite aux remarques de la Chambre régionale des comptes au sujet des clarifications à apporter sur les relations entre la ville et l'EPIC Arena-Loire. Alors bon, Jean-François a évoqué ça aussi tout à l'heure. Dans son rapport du 7 septembre 2021, la Chambre régionale des comptes demande en particulier d'appliquer la convention de refacturation passée avec l'EPIC pour se faire rembourser toutes les dépenses en numéraire ou en nature. Or, dans son rapport sur l'EPIC Arena, la Chambre régionale des comptes, page 20, précise que la commune a pris une délibération le 12 octobre 2015 pour acter le maintien, je le cite, hein, de le maintien des emprunts et des amortissements liés à la construction de la salle Arena dans le budget principal de la commune. Cette délibération cite expressément le remboursement des emprunts et les frais d'amortissement liés à la construction de la salle Arena. Et je poursuis la citation, les coûts afférents à la remise en état des anciennes écuries, comme le disait Jean-François, et plus généralement les dépenses d'investissement ne sont pas citées. Dès lors, toutes les autres dépenses exposées par la commune au profit de l'Arena, dont la remise en état des anciennes écuries par exemple, doivent être remboursées par l'EPIC. Et à ce jour, le montant de ces travaux n'est pas facturé. Première question, pourquoi ? Donc la Chambre recommande une application rigoureuse de la convention de refacturation. Hein, en réponse aux observations provisoires de la CRC, l'EPIC s'est engagé à appliquer cette convention donc dès l'exercice 2021. Alors, en effet, on a lu avec beaucoup d'attention la convention qui nous est soumise ce soir. Et la mine demandait à ce qu'on respecte justement l'Assemblée. On aurait aimé être respecté aussi en ayant vraiment toutes les infos. Parce que, première chose, nous n'étions pas au courant de la sortie des anciennes écuries, donc du SPIC. Alors, bien évidemment, si c'est un élément nouveau, nous avions prévu des questions concernant notamment l'article 2 sur les biens immobiliers et mobiliers mis à disposition et notamment le 2.1 désignation des biens immobiliers. On faisait la remarque qu'il n'était fait référence à aucune, référence aux anciennes écuries. Je m'apprêtais à demander pourquoi. Je crois que j'ai un élément de réponse, mais j'aurais bien aimé qu'on l'ait avant. De la même façon, en annexe ne figurent pas les plans donc des anciennes écuries, et sauf par contre erreur de notre part, il en est question des anciennes écuries dans la grille tarifaire, par contre. Donc là, je pose la question, comment ça va fonctionner cette affaire-là ? À noter également que les parkings nécessaires à l'activité de l'EPIC ne sont pas répertoriés également. Il serait bon d'ailleurs que la mise à disposition gratuite de l'espace Aragon et des parkings
soit indiqué aussi dans la convention. Concernant, s'il vous plaît, concernant désormais... Excuse-moi, Boris, je mets juste une partie de la... Je suspends. En quoi j'ai parlé, M. Garcia ? Communiquer avec des informations. Non, c'est tout. Je peux poursuivre ? Mais ce serait de bonne guerre. Allez-y, allez-y. Non, mais allez-y. Concernant D'une part, je n'ai pas communiqué avec Mme Pinault, et je pense que Mme Pinault est assez grande. Et ne vous inquiétez pas, nous aussi, on prépare. Et bon, allez. Allez-y, monsieur Batté, excusez-moi donc, de vous avoir coupé. Concernant désormais aussi l'article 12, concernant les redevances. La Chambre régionale des comptes, dans son rapport sur l'EPIC, mentionne, et je la recite, que les modalités de calcul de la redevance ne sont pas établies clairement et que son montant s'avère particulièrement faible au regard de l'importance de l'équipement. Selon l'établissement, la superficie de l'aréna est de 65 568 m², celle des anciennes écuries de 1200 m². Un calcul sommaire, je poursuis la citation, aboutit à un montant de redevance de 73 centimes le mètre carré par an, ce qui, dit-elle, ne correspond à aucune réalité économique. Et pourtant, il est maintenu en l'état. La CRC rappelle, et c'est toujours dans la citation du rapport, que cette sous-évaluation manifeste de la redevance contrevient indirectement au principe d'équilibre budgétaire des SPIC, selon lesquels la commune ne peut pas supporter des charges incombant au SPIC. Comme nous l'avons souligné à de nombreuses reprises, la Chambre régionale des comptes, dans son rapport, montre que ce montant maintenu, donc, de 48 600 euros TTC, n'a aucun sens et participe des subventions déguisées de la ville, sachant que, comme le souligne la CRC, le montant du remboursement des emprunts correspondant à la construction de l'aréna est, lui, de 1 200 000 euros par an et est pris en charge par le budget de la commune. Autre question, la ville ne refacture pas au SPIC la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui est une taxe récupérable auprès de tout locataire. Pourquoi ? Il convient que cette taxe soit payée par le SPIC, le locataire, et donc que cela soit aussi précisé dans la convention. Pour mémoire, les taxes foncières et les taxes d'enlèvement des ordures ménagères payées sur le budget de la ville pour les bâtiments mis à disposition du SPIC s'élèvent pour 2021, taxes foncières, 631 686 euros, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, 21 178 euros. Pour 2022, les taxes foncières, 134 151 euros, taxes d'enlèvement des ordures ménagères, 21 558. Sur ce point, Jean-François Garcia vous a fait part de nos interrogations sur les conditions d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour les anciennes écuries, compte tenu du fait que 1. Le SPIC facture à la ville l'utilisation des locaux, 2. A une grille tarifaire pour l'utilisation de cet immeuble, et 3. Que la ville elle-même facture au SPIC la location des immeubles, même de façon symbolique, comprenant le bâtiment des anciennes écuries. Concernant donc justement cette grille tarifaire qui figure encore dans le document, la Chambre régionale des comptes, toujours dans son rapport sur l'EPIC, note cette aberration que nous avons dénoncée également à maintes reprises sur la tarification concernant la mise à disposition à la ville des anciennes écuries pour les différentes expos. Elle précise, page 21, je la cite, « La grille tarifaire relative à l'utilisation par la commune des locaux des anciennes écuries fait état d'un tarif forfaitaire de 3 000 euros par tranche de 7 jours et de 250 euros par jour. Ainsi, une exposition durant un mois coûtera à la commune 19 500 euros uniquement pour les frais de location, incluant également les fluides, la maintenance, les frais d'entretien d'un équipement qui lui appartient. Or, si nous avons bien lu le document, et c'est le cas, la grille tarifaire en annexe, elle, est bien présente, et sur cette grille tarifaire, rien ne bouge sur ce point. Les tarifs applicables demeurent, le prix fixe par tranche d'exposition de 7 jours restera 3 000 euros hors taxe, 3 600 TTC, et le forfait par jour d'exposition est à 250 euros hors taxe, soit 300 TTC. Sur ce point, nous vous avons fréquemment interrogé et nous avons fait part de notre souhait de voir les choses évoluer au sujet du montant des facturations faites à la ville.
de séance en séance, vous prenez acte. Vous prenez acte de nos questions, vous prenez acte de nos remarques, et puis, rien. Nous demandons donc à nouveau ce soir que la contribution de la ville pour l'utilisation des anciennes écuries soit égale aux seules charges supportées par le SPIC, notamment compte tenu de la faiblesse que j'évoquais de la redevance facturée au SPIC. Déjà en juin 2021, il y a un an et demi, nous pointions que les éléments budgétaires transmis au CA du SPIC révélaient que les anciennes écuries avaient dégagé un bénéfice d'environ 85 000 euros. 150 000 euros de recettes contre 66 000 euros de dépenses, ce qui nous avait conduit à considérer les tarifs pratiqués et payés par la ville comme trop élevés. Depuis, les rapports de la Chambre régionale des comptes sont largement revenus sur les liens entre le SPIC Arena et la ville, pointant notamment, et je recite ce rapport, que les versements effectués par la commune sont parfois en décalage avec le fait générateur, ce qui laisse penser que l'objectif est de limiter le montant du déficit de l'EPIC. Ces rapports montrent et confirment donc clairement ce que nous disions, le décalage qui existe entre les sommes, peu importantes et dénuées de toute réalité économique versées par le SPIC à la ville, et celles, très élevées, versées par la ville au SPIC. Vous avez à l'époque reconnu ce décalage, ainsi que le fait que la ville paye plus que ce qu'elle ne devrait payer par rapport donc à la réalité des coûts de fonctionnement pour l'occupation des locaux lors des expositions. Eh bien, cette grille, elle est toujours dans le dossier, elle n'a pas évolué. Donc, sans évolution de la Convention sur tous ces points, nous voterons contre. Deux réflexions suite à ces observations. L'objet de la Convention, il est clair, et vous avez effectivement cité l'article 2. On précise ici que les biens mis à disposition sont l'aréna Loire Trélazé et le local multifonctionnel. Point. Voilà. Donc, là-dessus, pas de difficulté. Concernant l'annexe, alors effectivement, l'annexe 4 mentionne les anciennes écuries. Il faut savoir que c'est l'annexe qui date de 2019. Donc après, ce sera réindiqué effectivement suite à la signature de cette convention. Les tarifs, la grille tarifaire sera bien évidemment revue et il n'y aura plus de mention des anciennes écuries. Oui. Donc on vote une convention avec des tarifs qui ne sont pas bons. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Ce sont les tarifs actuels, mais je vous précise pourquoi il y a la mention des anciennes écuries, puisque c'est l'annexe de 2019, tout simplement. Mais c'est une convention de 2022. Avec application. Enfin, après, les tarifs seront revus en 2023. Moi, je vois qu'il y a quand même une contradiction. Bon, et simplement, à compter de quelle date les écuries elles seront justement... elles seront prises en charge par la ville. Donc. Parce que là, on découvre des choses sur un sujet comme celui-là. Moi, j'hallucine, quoi. Moi, je voudrais vous préciser deux points, notamment sur la partie taxe foncière, puisque vous l'évoquiez dans vos remarques. La taxe foncière est un choix de propriétaire par rapport à son locataire. Donc, d'accord ? Donc, il peut effectivement mettre ou pas dans son choix la taxe foncière à imposer ou pas. Ça a été effectivement un point à évoquer. Concernant la partie loyer, puisque vous avez aussi évoqué la partie loyer qui vous semble relativement faible, c'est un choix là aussi du propriétaire de pouvoir effectivement mettre un loyer qui est en deçà de façon à ne pas parfois faire supporter un certain nombre de charges, notamment en démarrage de son structure, et lui permettre d'avoir ce loyer-là. Donc tu confirmes bien notre interprétation, c'est de la subvention déguisée. Non. Ah bah, non. Quand non, vous faites non, le choix, non, attendez, non, non, hey, non, quand non, même, tu fais non, le non, choix non, de non. ne pas faire porter sur le budget du SPIC. Non. Si, attends, excuse-moi. Tu fais le choix de ne pas faire porter sur le budget du SPIC la taxe évoquée. C'est un choix, mais politique assumé. Je me doute bien que c'est assumé. Je me doute bien que vous ne le faites pas pour rien. C'est pour ne pas gréver le budget du SPIC. Et quand vous décidez de mettre un loyer à 48 600 euros très bas,
c'est justement, là encore une fois, de la subvention déguisée pour éviter que ça pèse sur et puis pour équilibrer le budget du SMIC. Mais évidemment, tu viens de le dire. Tu confirmes, non, je te remercie. Non, je ne confirme rien du tout. Je constate et je dis précisément qu'un choix d'un propriétaire par rapport à une taxe foncière, elle est ou elle n'est pas à mentionner ou ne pas mentionner. En aucun cas, ce sont des subventions déguisées. C'est votre interprétation. Tu viens de me le confirmer, mais je te remercie. Bon, je ne parle pas de la délibération. Je voulais juste que Mme Pinault mette la délibération aux voix ou apporter une précision et qu'on avance, s'il vous plaît. Par contre, j'ai quand même posé un certain nombre de questions auxquelles je n'ai pas de réponse, là. J'ai répondu aux questions auxquelles j'ai répondu, Monsieur Batté. J'ai bien compris, c'est incontestable. Mais comme à chaque fois, et tu m'as fait grâce de répondre au moins à deux, alors que d'habitude, tu ne réponds à rien. Donc, suis plutôt... Merci, c'est très intéressant. Non, la dernière fois, tu as pris acte. Mmh. Tu sais ce que tu as dit ? Tu as dit, je prends acte de tes questions. Mmh. J'attendais toujours des réponses. C'est la troisième fois qu'on pose des questions, Véronique. Je suis content que tu aies au moins répondu à deux. Très bien. Oui. Okay. Et je prends ça comme une montée en puissance au niveau compétences sur ce dossier-là, sans doute. Merci. Mais bien sûr. Mais écoute, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. J'apprécie quand même guère depuis le début qu'on pose des questions sur ces questions-là, et je te le dis, Véronique, que les seules réponses qu'on ait, c'est je prends acte des questions qui sont posées sans qu'on n'ait pas de réponse. Donc. Ça fait longtemps que ça me chauffe un peu, ce genre de situation. Donc, je te le dis très franchement. Voilà. Donc, c'est de l'attaque personnelle. Ça, je ne le tolère pas. Non, c'est pas une attaque. C'est de l'attaque personnelle. Ta première adjointe qui, en tant que première adjointe, doit apporter des réponses sur un certain nombre de dossiers. Vous êtes en train de faire de l'attaque personnelle. Non. Je ne suis pas en train de faire une attaque personnelle. Quand je pose une question à une responsable politique, j'attends une réponse qu'elle soit politique. Ce n'est pas Véronique Pinault en tant que personne, c'est ta première adjointe à qui je m'adresse. Monsieur Batté, quand on se permet de dire que vous montez en compétence sur la domaine, je sais, si ce n'est pas de l'attaque personnelle, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors c'est un refus de me répondre depuis le début de ces questions-là. Madame Pinault. Au choix. Bon, je mets au vote. Donc je vous propose de dénoncer la convention de mise à disposition du 10 mars 2014 et ses avenants 1 et 2 et d'autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention de mise à disposition entre la ville de Trélazé et la régie Arène-à-Loire, dont le projet est joint à la présente délibération. Votre abstention ? Votre contre ? Monsieur Garcia, pourquoi vous l'avez... Mais Monsieur Garcia, vous n'avez pas le droit de voter. Donc, Monsieur Garcia, vous avez levé la main. Monsieur Hernou a levé la main alors que vous n'avez pas le droit de voter. Monsieur Hernou. Non, mais merci. Bon, excusez-moi, je suspends la séance parce que je suspends la séance. On va arrêter là. Juste pour info, je suspends la séance pour 10 minutes.
Donc je reprends la parole, s'il vous plaît. On va reprendre la séance. Donc, comme vous l'avez vu et comme je l'ai dit dans mon introduction, j'avais espéré et j'ai rappelé ici cette volonté d'avoir un dialogue constructif dans le respect des gens, dans le respect de la personne, dans le respect de ce qu'ils sont, sans pour autant brider les autres. Et il est important qu'on soit dans cette dynamique-là, quoi qu'il arrive. Moi, je prends de la hauteur, énormément. Peut-être que certains pensent que j'ai la grosse tête parce que je suis devenu maire, mais c'est très mal me connaître. Et ceux qui me connaissent réellement savent que je ne suis pas dans cette dynamique-là. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il nous faut revenir dans la sérénité, dans le respect de cette institution, dans le respect de cette assemblée, sans invective, sans manque de respect. Il y a eu des propos, des attitudes qui ont été faites ici, dans cette assemblée, qui ne sont pas tolérables, qui ne sont pas dignes de ce que nous sommes. Et je pense qu'il est important qu'on prenne vraiment de la hauteur et qu'on respecte ce conseil municipal de Trélazé, quel que soit le maire qui est ici. Et je pense que c'est ça le plus important. Quel qu'il soit, il est important de le souligner. Voilà. Donc, Madame Pinault, je te laisse la parole. C'est fini, c'est voté. On avait voté la délibération, je ne sais même plus. Donc, on va reprendre les délibérations. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'en rajouter, parce que ça ne sert à rien. Voilà, au contraire, prenons de la hauteur. Donc, délibération numéro 7, le guide de la commande publique. Donc, comme je voulais souligner tout à l'heure, concernant les règles de la commande publique et concernant la réglementation de la commande publique, les règles de la commande publique donc, ont été explicitées par l'entrée en vigueur le 1er avril 2019 d'un nouveau code de la commande publique qui s'applique à tous les marchés passés par l'État, les collectivités et les établissements publics. Suite aux préconisations de la Chambre régionale des comptes et à la charte déontologique des bonnes pratiques en commande publique diffusée par Angeloire Métropole, la ville de Trélazé a souhaité formaliser une politique d'achat par le biais d'un guide interne permettant de fiabiliser toutes les procédures de marché public. Ce guide est conforme aux principes fondamentaux de la commande publique, à savoir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement des candidats, la transparence des procédures. Ce guide a pour objet de sécuriser et harmoniser les pratiques au sein de l'ensemble des services de la collectivité, de renforcer l'efficacité économique des achats de la collectivité, d'améliorer le suivi de l'exécution des marchés. Le guide proposé pourra subir des modifications, donc sans nouvelle délibération du conseil municipal au gré de l'évolution de la réglementation en vigueur et du retour d'expérience de sa mise en œuvre. Donc le conseil municipal sera tenu informé dans les mêmes conditions que la liste des marchés publics que je vais signer. Donc dans ce guide de la commande publique, pour rappel, au niveau des seuils, parce que c'est important de le préciser, les seuils en termes de procédure pour les marchés à procédure adaptée, donc MAPA, pour les fournitures de services, c'est de 1 € à 214 999,99, et pour les travaux, de 1 € à 1 500 000,83 999, là on est sur des marchés à procédure adaptée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas obligation d'appel d'offres. Donc pour les marchés donc formalisés pour les appels d'offres, si c'est des fournitures et services, quand c'est supérieur à 215 000 €, et pour les travaux, quand c'est supérieur à 5 380 €. Dans un souci de transparence et de permettre à ce que les élus puissent avoir la bonne information, dans le guide des marchés publics, j'ai demandé à ce que les travaux
le seuil soit à 500 000 euros. Ce qui permet, puisque souvent dans notre collectivité, on n'a pas globalement d'investissement de travaux qui soit supérieur à 5 380 000 euros. D'ailleurs, la preuve, lorsqu'on a fait le marché, la salle du Petit Bois, qui est inférieure à ce montant-là, on n'a pas l'obligation de faire un appel d'offres. Donc, dans un souci de transparence, je vous ai proposé sur ce guide-là, j'ai vu avec les services, que ce seuil de travaux soit passé à 500 000 euros pour qu'on puisse avoir la bonne information et pouvoir discuter et échanger sur tous les investissements structurants de la collectivité. Et en passant par un appel d'offres à ce seuil-là, ça donne une source de transparence et d'information pour les élus. Donc, il y a une présentation de ce guide qui a été faite en commission des finances. Donc, je vous propose de passer aux voix et d'adopter ce guide. Qui est pour ce guide des marchés publics? Unanimité, merci. Donc, délibération numéro 8, gestion déléguée des services socio-éducatifs. Suite à la prorogation du contrat actuel de délégation de services publics des activités socio-éducatives jusqu'au 31 décembre 2022 par avenant, le Conseil municipal a autorisé le lancement d'une nouvelle procédure de délégation le 30 mai 2022 par un nouveau contrat au 1er janvier 2023. Seule l'association Léo Lagrange a répondu et déposé une offre. Après avis favorable de la commission DSP, il convient aujourd'hui d'achever la procédure de mise en concurrence par une désignation officielle de l'association Léo Lagrange en qualité de délégataire pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 27, pardon. Une autorisation de M. le maire à signer la mise au point et la rédaction de la convention définitive de délégation des services publics des activités socio-éducatives. Et après, une autorisation de M. le maire à signer la dite convention. Donc là, maintenant, le conseil municipal, on vous propose, puisqu'il n'y a qu'une seule candidature, de valider la convention de Léo Lagrange. Monsieur Fagot. Donc l'administration du commune, donc c'est un travail de terrain, de proximité. La question des activités justement socio-éducatives en est un exemple parfait et c'est un des marqueurs forts de la politique d'une commune. Concernant cette question essentielle dans la vie de Trélazéens et Trélazéennes, c'est un débat qui dure depuis plusieurs mandats. Vous avez choisi d'externaliser le maximum. Il ne s'agit pas d'être dogmatique dans nos propos. Un centre social associatif, une association qui œuvre pour le vivre ensemble, a toute sa place dans notre commune, c'est même souhaitable. En effet, cela peut apporter une autre vision aux élus, aux techniciens de la commune. Disons-le aussi, ce sont des contre-pouvoirs, et donc ils participent à la démocratie locale. Donc je pense que là, tout le monde voit à quelle association je fais allusion. Mais alors qu'une majorité comme la vôtre qui prône la priorisation de l'action communale envers la jeunesse et le vivre ensemble, que revêt justement ce choix assumé depuis des années d'externaliser au maximum ces questions-là? C'est pour nous une nouvelle preuve de votre politique. On le disait au début de ce conseil municipal, on communique, on fait briller, quitte à ce que la logique de la ville-événement engloutisse des sommes d'argent qui pourraient servir à d'autres choses utiles pour nos concitoyens. Alors, disons-le franchement, c'est pour ça que vous externalisez à outrance. Ça vous permet de tirer au plus bas, les prix au plus bas, et charge après aux délégataires de se débrouiller avec ça. Prenons un exemple concret. Donc là, selon les informations que nous avons, et là, par contre, on est aussi preneur d'autres informations, de compléments d'informations que vous pourrez nous apporter, des évaluations qualitatives, quantitatives, des indicateurs sociaux, etc. Parce que bon, là, sur la délégation de services publics, le rapport du délégataire de 2021, en guise d'évaluation, on a, j'ai pris le temps justement de regarder,
juillet-septembre, si on prend juste l'exemple, par exemple, oui, c'est ça, on va prendre juste l'exemple des séjours. Donc, il est fait mention dans le rapport du légataire de deux séjours de 18 jeunes, concernant 18 jeunes, 2 fois 9. On rappelle quand même que dans le PEDT, tout à l'heure, il est fait mention de 23% de la population qui avait moins de 18 ans. 23% de la commune, ça fait 3440 jeunes environ. J'ai pu me tromper dans le calcul, mais bon. 18 jeunes ont pu profiter des séjours. Et donc là, justement, on parle d'évaluation. Nous, pour proposer des choses, il faut s'appuyer aussi sur des données, des échanges. L'évaluation, là, dans le rapport du délégataire, juillet-septembre, le séjour écolo-apprenante ont répondu aux attentes des jeunes et de leurs familles. Ces jeunes ont participé aux animations organisées dans les quartiers convivialité. Bon, là, on passe sur la partie convivialité. Donc, moi, c'est pareil, une commission, là, ça aurait été intéressant, parce que ça, je vous l'aurais dit, vous m'auriez éventuellement donné sur quoi se base l'évaluation du délégataire, etc. Donc après l'écolo apprenante, là on voit, alors je ne sais pas, c'est pareil, le nombre c'était 21 jeunes, voilà. C'est entièrement financé par le dispositif, ça c'est l'État qui finance visiblement, là encore, moi je suis prêt à discuter aussi des financements, c'est assez, voilà, on n'a pas d'éléments. Alors là vous allez me dire, oui, dans votre politique il y a eu le convivialité, c'est vrai. Encore une fois, on a bien là le symptôme de votre politique, de la communication. Mais pour quelle ambition? Il faut des activités sur Trélazé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous, on avait proposé, par exemple, l'été, la piscine gratuite. Une proposition, vous voyez, on en fait. Ah oui, il fallait pas que je parle de la piscine, parce que je crois qu'on devait se revoir à la Toussaint. Mais bon, ça n'a pas été fait. Donc, mais après, bon, voilà, il y a les activités sur Trélazé, c'est une bonne chose. C'est ce que disait tout à l'heure Gilles. Les activités sur convivialité, on n'est pas à dire que ça n'a pas été bien de le faire. On est juste à dire qu'on aimerait aussi que les jeunes de Trélazé puissent partir, etc. Alors vous allez me dire, là, peut-être, vous allez me dire, bah, y a tant de jeunes qui sont partis, etc. Bah, ok, mais nous, on n'a pas les éléments, en tout cas, pour le dire. Et nous, ce qu'on constate, dans le rapport du délégataire, c'est que 18 jeunes sont partis sur les camps, sur les séjours découvertes. J'ai plus les thèmes en tête, autour de l'eau, et puis le deuxième, je ne sais plus. Et puis après, 21 jeunes en colo apprenante. Avant de conclure, juste sur cette question aussi des activités socioculturelles, là encore, sur les appels à projets, où est-ce que c'en est la question des 16-25 ans? Il y a eu un appel à projet de fait spécifique pour les 16-25 ans, ou pas? Si ça a été fait, est-ce que ça a été répondu ou pas? Est-ce que Léo Lagrange se repositionne? J'en doute, puisque visiblement, enfin, on ne leur a pas demandé de reprendre ça en charge. Enfin, où est-ce que ça en est, quoi? Parce que c'est assez opaque. Donc, qui est-ce qui va en prendre la charge? Enfin, comment c'est organisé, quoi? Mais bon, ça va être un peu redondant, mais une commission, peut-être qu'on aurait pu poser aussi ces questions-là, et puis vous auriez pu nous y répondre. Et justement, les commissions, quand on est convié, et je me souviens très bien des échanges qu'on avait eus sur la piscine, et ça avait été constructif. On avait été force de proposition. Donc, nous n'avons eu aucune information, et là encore, sentiment partagé chez nous, peut-être pas chez vous, mais en tout cas, le sentiment d'être écarté de ce dossier-là. Et donc, concernant cette délibération, on votera contre. Je prends acte que vous allez voter contre le fait qu'il y ait un candidat qui a répondu à notre appel d'offres, qui s'appelle Léo Lagrange. Bon, je pense que M. Fagot est un nouveau conseiller municipal. Je peux comprendre qu'il puisse dire qu'il n'est pas au courant sur le fait de l'orientation qui a été prise par rapport à la plateforme jeunesse qu'on a présentée ici en conseil municipal. Et je pense que ses autres collègues ont eu l'information sur le fait de dire qu'on avait repris le cahier des charges. Et je pense qu'il a des collègues qui ont participé à la DSP où on avait expliqué que les 15-25 ans maintenant étaient en régie. On n'externalise pas, puisqu'on a recruté un coordinateur jeunesse au niveau de la collectivité et qu'on est en train de constituer une équipe jeunesse.
Bon, mais peut-être que voilà, la communication au niveau de l'équipe de l'opposition ne se fait pas et que M. Fagot n'a pas eu peut-être toutes ces informations-là. Sûrement. Sûrement, oui, mais je parle de votre équipe, entre vous, puisque normalement, ces informations-là, vous, vous les avez eues. Donc, ce qui veut dire que globalement, il est important... Monsieur Ernoux, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je pense qu'il est important qu'on soit sur cette dynamique-là et qu'on prenne la hauteur et qu'on essaie de respecter cette assemblée. On peut ne pas me respecter, ce n'est pas dramatique. J'en fais parfois, mais respectons au moins cette assemblée. Manquez-moi de respect si vous voulez, il n'y a pas de difficulté. Mais respectons au moins ce conseil municipal. Je pense qu'il est important parce que ça a du sens pour les Trélazéens. Voilà. Donc vous avez le droit de manquer de respect si vous voulez. Je ne vous en veux pas. Je ne vous en tiendrai pas rigueur parce que moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Mais je pense que cette instance, elle est importante, elle est solennelle et que nous devons, de la respecter. C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon propos préliminaire, j'ai bien insisté sur le fait, et je vais me permettre juste de relire ce que j'ai dit pour vous dire comment je trouve que c'est important. Et je vous demandais simplement, nous, je ne disais pas vous, et quand je disais nous, je nous incluais tous, y compris moi, sur le fait de dire qu'il faut vraiment qu'on prenne de la hauteur et qu'on respecte cette assemblée. Voilà. C'est... Donc, s'il vous plaît, Monsieur Ernoux, je vous le demande, s'il vous plaît, même si vous ne me respectez pas, je ne vous en tiens pas à rigueur, mais respectons cette assemblée, s'il vous plaît. Parce que les Trélazéens méritent qu'on ait des débats sereins, apaisés, s'il vous plaît. J'en fais pas plus. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on... Monsieur Fagot. Monsieur Fagot a demandé la voix, Monsieur Garcia. Mais du coup, vous n'allez pas faire un point là où est-ce que c'en est là? Vous parliez de recrutement ou... Ça a été fait avant, ça? C'est... Ah, en fait, excusez-moi, Monsieur Fagot, je ne pensais pas que la collectivité concernant la délégation de services publics, en effet... On avait refusé le cahier des charges, comme on l'a expliqué. Ça fait un an, février, qu'un coordinateur jeunesse a été recruté, qui commence à travailler. C'est avec ce coordinateur jeunesse-là qu'on est en train de mettre en place un système pour réinternaliser une partie, et la plateforme jeunesse a été présentée ici, une partie de l'organisation qu'on veut mettre en place. Après, on a aussi cette notion de délégation de services publics. Comme vous l'avez dit, qui est important, le fait d'avoir une association d'éducation populaire dans notre collectivité, ça a du sens, puisqu'on a des centres sociaux, et que l'objectif, en termes d'expérimentation, n'était pas forcément nous, globalement dans la réflexion, puisqu'on essaie d'anticiper et d'avancer sur cette réflexion-là, de ne pas tout casser. C'est pour ça qu'on a décidé, ici, on en a discuté, de sortir les 15-30 ans, puisque... Il y a eu une analyse des besoins sociaux qui a été faite. Il y a eu une structure jeu de vie qui a fait un diagnostic et un audit qu'on a présenté, qui a expliqué qu'il fallait qu'on ait de la cohérence par rapport à ça. Et on a décidé de sortir les 15-30 ans et de réinternaliser une partie de l'action jeunesse pour recoordonner tout ça. D'où l'objectif d'ailleurs de mettre en place Mme Pinault, qui est adjointe à l'éducation, à la jeunesse et à l'enfance, pour avoir du sens par rapport à tout ça. Donc on a recruté un coordinateur jeunesse, nous sommes en train de recruter un animateur, et notre objectif c'est de travailler avec tous les acteurs associatifs, y compris Léo Lagrange, sur toute cette partie-là. Donc cette plateforme jeunesse est en train d'être mise en place, on avait expérimenté quelques actions avec d'autres associations de quartier qui travaillent sur la jeunesse, et on va continuer dans ce sens-là. Donc on n'externalise pas tout, ce n'est pas notre politique, la preuve... c'est qu'on est en train de remettre en régie une partie de la structuration jeunesse et on a un coordinateur jeunesse qu'on a recruté. Ça, je pense que c'est une réponse à votre question concernant quelle orientation on donne sur les 15-30 ans. Nous sommes en train de réfléchir et de mettre en place une sorte d'office municipal de la jeunesse pour voir dans quelle mesure, en lui donnant des moyens, en y mettant un dialogue constructif, on est en train de travailler là-dessus, en mettant... une structuration avec des associations, des élus. D'ailleurs, on vous proposera, si vous en êtes d'accord, quand ce sera
l'occasion de proposer un membre de l'opposition de participer à cet office municipal de la jeunesse et des jeunes pour qu'on puisse travailler et développer toutes les actions liées à notre jeunesse, parce qu'on trouve que ça a une vraie importance. Donc, on est sur cette perspective-là et sur ce cheminement-là. Donc, monsieur, en fait, l'idée, ce n'est pas de faire le débat ici, parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, parce qu'il y aura une plateforme. Et sincèrement, je pense qu'il faut qu'on essaie aussi de respecter cette organisation-là. J'entends, je sais peut-être que c'est frustrant, y compris pour tout le monde, mais il faut qu'on accepte ce débat démocrate, de se dire, voilà, il y a une prise de parole, on passe sur une délibération. Sinon, on va faire un jeu de ping-pong qui, finalement, va énerver tout le monde et qui n'apporte aucun intérêt. Je fais une digression parce que vous me le demandez, mais je pense qu'après, c'est la dernière prise de parole, si vous en êtes d'accord. Sans digression. Juste, donc du coup, maintenant, j'ai bien compris la question, coordination, plateforme jeunesse, ça, j'étais au courant. Mais en fait, ma question, c'était maintenant, où est-ce qu'on va? Et là, vous parliez d'évaluation, d'expérimentation avec des associations. Donc, très bien. Maintenant, moi, juste ce que je demandais, c'est où est-ce qu'on va? Quand est-ce qu'on sera convié? Enfin, quelque chose de concret. Les évaluations, est-ce qu'on va les avoir? Enfin, en fait, non, ma question, c'était plutôt, peut-on avoir les évaluations? Peut-on avoir les retours d'expérimentation qui ont été faits? Enfin, voilà, des éléments pour travailler. Mais il n'y a pas de problème. Comme chaque, si on a cet engagement-là, moi, c'est non, bon. Non, mais comme n'importe quel conseiller municipal qui demande une information, demande à M. Garcia, à chaque fois qu'elle a fait une demande d'information, il l'a eue. Quoi qu'il arrive, quelle que soit l'information, parce que c'est ça. Donc, si aujourd'hui, vous nous demandez une information sur ces éléments-là, toutes les informations dont on dispose, on les transmet. Quand on nous les demande, pour pouvoir travailler, il n'y a aucune difficulté, et on n'a jamais mis de difficulté par rapport à ça. Donc, j'entends ces éléments-là, et on vous les fournira. Voilà. Je mets la délibération en voix. Voix contre. Ceux qui sont pour, je leur demande de lever la main. Merci. Donc, délibération numéro 8. Débat d'orientation. 9. Débat d'orientation. C'est bien, tout le monde suit. Parfait. Donc, débat d'orientation budgétaire. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur ma présentation où je vais vous parler d'une ambition solidaire, responsable et tournée vers l'avenir. Je vais vous donner les chiffres directement concernant le débat d'orientation budgétaire et je prendrai en compte les éléments concernant les orientations budgétaires. La situation financière de la ville. Donc, section de fonctionnement. Donc, on va revenir sur les recettes de fonctionnement. Donc, comme vous pouvez le constater, on parle de BP en 2022. Le BP en recettes de fonctionnement était de 18 157 000 euros. Par rapport à nos prévisions budgétaires et la proposition qu'on va vous faire lors du vote du budget, c'est d'avoir des recettes de fonctionnement de 19 191 000 euros, avec les impôts et taxes qui représenteraient 10 477 000 euros, les dotations de l'État 5 713 000 euros, les autres recettes d'exploitation 2 236 et les produits exceptionnels 765. Comme je vous l'ai dit, je ne reviendrai pas là-dessus parce que normalement, sur le rapport d'orientation budgétaire, vous avez tous les éléments qui expliquent l'évolution de ces chiffres-là. Ensuite, la structuration de nos dépenses de fonctionnement par rapport au BP, comme vous pouvez le constater, les impôts et taxes représentent 54,7%. Par contre, comme on peut le voir, les dotations de l'État représenterait sur le BP 2023 près de 30%. Alors les produits des services donc 7,2%. Donc on se rend compte qu'on est encore dépendant des dotations de l'État. Alors ça vient aussi, je viens juste mettre une atténuation, une technique comptable disant que avant, on touchait ce qu'on appelait le CEJ. Le CEJ, on ne le touche plus. Donc, ce qui veut dire que ça vient baisser nos recettes de fonctionnement. Donc, en ayant moins de recettes de fonctionnement, ça vient
amputer les dotations de l'État. Donc on est quand même une collectivité encore dépendante des dotations de l'État, puisque aujourd'hui, avec ces retraitements, on est à presque 30% de nos recettes de fonctionnement. Donc pour rappel, au BP 2022, on est à 18 157 000 euros. Et ça, c'est aussi l'évolution de nos produits fiscaux qui nous donne cette possibilité-là. Donc les produits fiscaux, comme vous pouvez le constater, la taxe d'habitation passerait à 7 892 000 euros. Il faut savoir que, comme je l'ai expliqué, nous avons un gel de notre taux de taxe d'habitation. Mais bon, les bases fiscales par rapport au projet de loi de finances ont augmenté de 7,1%. Donc, ce qui explique aussi une évolution de cette taxe foncière. Ensuite, on a les recettes ALM, donc l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communale qui passe à 1 342 000 euros, pardon. Le FPIC, 280 000. Les DMTO, donc on serait à 400 000 euros prévus. Et dans les taxes diverses, il y a la taxe d'aménagement qui était considérée comme une recette d'investissement qui passe en recette de fonctionnement, d'où l'évolution de la taxe d'aménagement, comme vous pouvez le constater, qui est passée de 258 000 euros en 2022 à 563 000 euros en 2023, parce que dans les taxes diverses, on y intègre cette taxe d'aménagement. Les dotations de l'État, donc je ne reviens pas, avec sur le fait de voir qu'il y a une évolution, voilà, une évolution de la dotation de solidarité urbaine qui passerait de 2 228 000 euros. On en a discuté en commission des finances sur le fait que l'État abonde cette DSU de 290 000 euros. On en a parlé en disant que nous, et moi je me fais porte-parole au niveau de l'association des maires et villes et banlieues, que cet abondement est insuffisant puisque l'État abonde la DSR de plus de... Pardon, ah, je suis désolé. Et nous demandons à ce que la DSR et la DSU puissent être abondées de la même manière. Et derrière, la dotation globale de fonctionnement passe à 1 662 000 euros. Ensuite, les dépenses de fonctionnement. Par rapport aux dépenses de fonctionnement, donc on pouvait le constater, les charges de gestion, donc 8 159 000 euros. Dans les charges de gestion, bon, par rapport à la lecture initiale qu'on faisait avant, on avait les charges à caractère général et les subventions. Donc là, aujourd'hui, on est en train d'aller vers le respect de vraiment des désignations de la nomenclature comptable. Les charges de gestion, c'est donc le 011 et le 65 qui représentent 8 159 000 euros. Donc les autres dépenses, 719 000 euros. Les charges de personnel, et comme vous pouvez le constater, au BP 2022, on était à 6 900 000 et on vous propose 6 696 000 euros. On aura l'occasion de vous expliquer si besoin l'évolution de ces frais de personnel. Et les charges financières, 684 000 euros. La structuration des dépenses réelles de fonctionnement, et là, comme vous pouvez le constater, les charges à caractère général donc, représentent 37,2%, les frais de personnel, 41,4% et les autres charges de gestion, donc, y compris les subventions, c'est 13,3%. Donc l'évolution des charges de personnel, pour vous donner une dynamique, et le choix qui a été fait de renforcer les services, on est passé de 6 009 000 à 6 696 000. Donc vous avez le détail des explications dans le rapport d'orientation budgétaire. Notre épargne de gestion prévisible pour 2023 serait à 2 859 000 euros. Au BP 2022, on était à 3 369 000. Donc, juste expliquer que l'évolution des frais de personnel, donc pour rappel, on a l'évolution du point d'indice, on a l'augmentation du SMIC et le fait d'avoir renforcé les services, parce que c'est important, comme on l'a souligné tout à l'heure. Tout à l'heure, on a parlé du service des marchés qui a été renforcé, le service informatique qui a été renforcé. À Trélazé, on a fait le choix d'avoir une ATSEM par classe, malgré les classes dédoublées, ce qui a impacté considérablement nos charges de gestion. Et malgré toutes ces dépenses supplémentaires, on est quand même à un épargne de gestion prévu pour 2023 à 2 859 000 euros. On le déclinera quand on vous présentera le budget globalement. Et en termes de prospective, on s'était fixé comme objectif d'être à minima à 2 500 000 euros.
Donc, bon, là, on est sur une projection où en 2026, on est à 2486, mais c'est vraiment une projection 2023-2024, on est à peu près dans le vrai, mais sur les 2025-2026, on se laisse cette perspective-là sans rentrer dans le détail de l'analyse. Mais notre objectif, c'est toujours de rester à une épargne de gestion au moins à 2 500 000 euros pour pouvoir garder notre trajectoire, d'une part, d'autofinancement qui nous permettrait d'investir et de ne pas s'endetter. Ensuite, notre capacité d'autofinancement. Donc voilà, notre capacité d'autofinancement, comme on peut le constater, elle reste quand même une capacité d'autofinancement importante. En 2023, on serait à 2 174 000 euros, un peu plus que ce qu'on avait prévu au BP 2022. Et sur la trajectoire, on se rend compte qu'on a une capacité d'autofinancement par rapport aux communes de notre strate, où on a une bonne capacité d'autofinancement brut. En termes d'investissement, donc, on reste sur un niveau d'investissement très élevé pour une commune de notre strate. On vous proposerait pour le BP 2023, et je ne prends pas en compte les restes à réaliser, 3 649 000 euros. Le détail de ces investissements, vous l'avez sur le PPI qui vous a été fourni d'une part au moment du débat d'orientation budgétaire et qui est en annexe des documents du conseil municipal. Et comment on autofinance ces investissements? Donc, vous avez la déclinaison de l'autofinancement des investissements où on serait à 2 496 000 euros d'autofinancement. Donc, la taxe d'aménagement, donc, qui était une recette d'investissement qui est passée maintenant en recette de fonctionnement, c'est pour ça que vous l'avez à zéro. Le FCTVA qui est à 404 000 euros. Les subventions, donc 1 338 000 euros. Les cessions et puis les transferts de charges d'ALM qui n'existent plus puisque la convention de gestion se termine. D'ailleurs, on prendra une délibération tout à l'heure, puisque le transfert de la voirie, de l'éclairage public, passe totalement à Angelard Métropole. Donc, il n'y a plus de transfert de charges au niveau d'Angelard Métropole. Ce qui veut dire que globalement, comme vous avez pu le constater, il va y avoir un emprunt d'équilibre qui vient équilibrer, mais c'est un emprunt d'équilibre qui vient équilibrer le budget 2023. Donc là, voilà, la structuration de nos recettes d'investissement pour constater que quand même 54%, parce que c'est une stratégie qu'on a pris, provient des investissements. L'état de la dette, comme on peut le constater, la trajectoire qu'on a prise de désendetter la ville, on est vraiment sur cette trajectoire-là. Pour rappel, en 2022, on a emprunté 1 500 000 euros pour pouvoir pallier par rapport à la salle du Petit Bois. Et malgré cet emprunt de 1 500 000 euros, on voit qu'en fin de mandature, on diviserait l'état de la dette en par deux et on passerait à 9 756 000 euros. Pour le BP 2023, l'encours de la dette serait encore à 16 107 000 euros. Bien sûr, et il faut le souligner, c'est après retraitement du fonds de soutien. Ce qui nous donne un encours de dette par habitant. En 2022, on est à 1 196 000 euros et en restant sur cette trajectoire-là, en fin de mandat, on sera à 629 000 euros, ce qui veut dire on serait sur des ratios intéressants pour la collectivité et qui nous permettrait après l'objectif, c'est surtout ça, c'est que si à un moment il y a des réinvestissements à faire, ça nous permettrait d'avoir une capacité d'emprunt pour pouvoir faire des investissements lourds pour la collectivité. Et donc, au BP 2022, on est à 8,4 années. Pour rappel, le seuil critique, c'est 12 ans. Donc, sur le BP 2023, on sera à 7,4. Et en fin de mandat, si on est sur cette trajectoire-là, on descendrait à 4,7 de capacité de désendettement. Et pour rappel, le seuil critique fixé par l'État, c'est 12 ans. On en est très, très loin. En 2014, on y était presque. Mais la stratégie de désendettement telle qu'il avait été prévue par la collectivité continue et porte ses fruits. Et ça ne nous a pas empêchés de continuer à investir et de façon considérable. Voilà ce que pouvait dire. Et donc, sur ce débat d'orientation budgétaire, je ne rappelle pas les orientations que nous avons prises. Et je vous laisse la parole. Monsieur Batté. Bon, alors concernant le débat d'orientation budgétaire, et comme nous l'avons fait l'année dernière, tu le feras aussi, tu l'as dit tout à l'heure, nous, on va faire court et on va se garder nombre de commentaires pour les débats sur le budget lors des prochaines semaines.
Concernant donc les orientations budgétaires présentées, on s'en tiendra donc à quelles remarques d'ordre général. Bon, vos orientations, de toute façon, tu l'as dit aussi, c'est un état de fait assumé et revendiqué par vous, demeure dans la lignée des précédents exercices. On ne reviendra pas en détail ce soir sur les contraintes financières impliquées par vos choix passés, choix politiques qui, à nos yeux, pèsent lourdement sur les moyens qui peuvent et pourront être employés pour répondre aux besoins des Trélazéennes et Trélazéens. On rappellera simplement qu'il existe toujours, à nos yeux, des marges de manœuvre financières à mobiliser, notamment dans l'événementiel, ce qui suppose bien entendu une réorientation de la politique globale menée sur la ville. Je pense très sincèrement que nos interventions précédentes, notamment sur la convention entre la ville et l'EPIC Arena, illustrent parfaitement cette idée. Il révèle aussi à quel point votre stratégie ou vos choix constituent un gouffre financier que nous avons à gérer. Nous aurons aussi bien l'occasion de revenir plus précisément sur tout cela dans les semaines qui vont venir dans le cadre du vote du budget primitif. Second point, dans votre présentation ce soir, d'ailleurs comme tu l'as fait aussi lors de la commission aux finances, vous avez largement évoqué la question du personnel, notamment dans votre volet sur les dépenses de fonctionnement. Sur cette question du personnel, nous tenions aussi rapidement à revenir sur les récents événements relatés dans la presse au sujet de la démission des élus CGT et au CT et au CHSCT. Nous avons été informés autour du 7 novembre d'une lettre datée du 14 octobre dernier, signée donc par les élus CGT, au CT et au CHS sur ce sujet. Une lettre adressée à l'ensemble des conseillers municipaux et que vous ne nous avez pas transmise, contrairement à ce que demandaient les élus CGT en question. Alors sur le fond, cette lettre est très claire et vient confirmer tout ce que nous disons lors de notre dernière conférence de presse au sujet du manque d'échange, de dialogue, de co-construction, cette fois avec les représentants du personnel. En effet, cette lettre stipule, et je la cite, que ces deux instances ne servent que de chambre d'enregistrement et que ces élus CGT ne conçoivent pas ainsi leur implication dans ces organes. Leur message est clair, aucun travail, aucun échange, aucune écoute et aucune considération ne sont prises en compte de votre part. Ce n'est malheureusement pas une surprise pour nous. Cette méthode pour diriger la ville, on en a parlé ce soir, choisie donc et mise en œuvre par vous, monsieur le maire, et votre majorité, conduit à une nouvelle atteinte particulièrement dommageable au fonctionnement de la démocratie locale. Et ça ne date pas d'hier. Vous nous direz sans doute, comme tout à l'heure vous l'avez fait, et comme d'habitude, qu'il faut tourner la page et reconstruire avec sérénité. Mais en réalité, la situation actuelle et cette démission des élus CGT sont des conséquences de vos politiques managériales depuis des années. Et inutile de vous cacher derrière les responsabilités pourtant bien réelles, mais partagées, de votre prédécesseur. Monsieur le maire, c'est bien vous, l'ami de Nam, qui aviez en charge, en tant qu'adjoint, les ressources humaines par le passé. Cet événement, ainsi que les départs successifs, et pour certains récents, témoignent d'un réel et profond malaise dans le personnel de la ville. Nous considérons de notre côté, et nous l'avons toujours dit, que le développement de services publics de qualité, tournés vers l'intérêt général, dégager des logiques privées et de rentabilité exige un personnel reconnu, formé, expérimenté et composé d'emplois stables. Cette remarque concernait le fond. Maintenant, sur la forme, le fait de ne pas nous avoir transféré ce courrier alors même qu'il nous était adressé est purement scandaleux. De telles méthodes confirment le manque de transparence du maire à notre égard, ainsi que sa volonté de nous tenir à l'écart des affaires municipales. C'est un nouvel exemple. Même dans la minorité, nous avons été élus par des Trélazéens et nous transmettre les courriers qui nous sont adressés relève de votre devoir, monsieur le maire. Voilà pour cette mise au point sur la question du personnel et de cette affaire avec les délégués CGT. Dernier point maintenant. Notre débat budgétaire s'ouvre, en effet, vous l'avez dit, dans un contexte particulièrement inquiétant. Le rapport fourni avec la délibération revient sur ce point au niveau macroéconomique, national, intercommunal et local. Je ne reviendrai bien entendu pas sur chacun de ces points, mais plutôt sur un aspect qui nous concerne directement, à savoir, en effet, la question de l'énergie et de son coût pour les collectivités locales. Nous avons abordé ce point lors du dernier conseil municipal et depuis,
Et de notre côté, nous demeurons particulièrement inquiets quant à notre capacité, à nous, Trélazé, mais aussi aux communes populaires, à payer les conséquences de l'ouverture au marché des biens essentiels comme l'électricité et le gaz. Nous considérons que, s'il convient en effet de faire preuve de sobriété, il est aussi de notre responsabilité collective de maintenir les services publics que nous mettons en œuvre au quotidien dans l'intérêt de nos concitoyennes et concitoyens, de ne pas les réduire et donc de refuser les augmentations des factures d'électricité et de gaz. Alors même que de très nombreux maires travaillent donc à la réduction des dépenses énergétiques dans un souci économique et écologique, les factures vont exploser du seul et unique fait de la spéculation financière. Boursière, pardon. Sur cette question, notre vœu, et tu l'évoquais tout à l'heure, proposé lors du dernier conseil municipal, était très clair. Il ne s'agit pas de demander à l'État des aides financières, mais de revenir simplement aux tarifs régulés. Le saupoudrage n'indique pas les difficultés, ni pour les collectivités, ni pour les concitoyennes et concitoyens, ni pour les entreprises. Il faut, un, sortir le gaz et l'électricité du marché et fixer les prix en fonction de la réalité des coûts de production par EDF. Deux, permettre aux collectivités de bénéficier du tarif réglementé pour ne plus être soumises au marché. Trois, bloquer le tarif réglementé, l'électricité du gaz. Quatre, reconnaître l'électricité et le gaz comme des biens de première nécessité et interdire les coupures. Et cinq, mettre en place un bouclier tarifaire pour les collectivités les plus pauvres, elles aussi victimes comme nos concitoyens d'une certaine précarité énergétique. C'était en effet tout le sens de ce vœu proposé au vote lors du dernier conseil municipal, et cette question énergétique, cette question de l'électricité, du gaz et des conséquences de la spéculation boursière sur ces marchandises risque de peser bien, bien lourd dans les budgets des années à venir pour nos collectivités territoriales. Je vous remercie. Donc, suite à ces déclarations, alors le débat d'orientation budgétaire, on prend acte ou on le vote ? Je me retourne. On prend acte. Donc, après ces déclarations, donc, je vous demande de prendre acte qu'on a eu le débat d'orientation budgétaire. OK. Délibération numéro 10, élu état annuel des indemnités de fonction. Donc, la loi 2019-461 du 27 décembre 2019 prévoit désormais que chaque année, les communes établissent un état présentant l'ensemble des indemnités de toute nature libellées en euros dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal au titre de tout mandat et de toute fonction exercée en leur sein et au sein de tout syndicat ou de toute société ou filière d'une de ces sociétés. Les dispositions de cette loi ont été transposées dans l'article L21-23-24-1-1 du CGCT. Cet état est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant l'examen du budget de la commune. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, suite à une coquille qui, de nos services, on vous a proposé sur table une nouvelle, la délibération modifiée. Donc, si je ne m'abuse. Oui, elle a été envoyée vendredi. Excusez-moi, Madame Vallée, vous avez raison de me le rappeler. On l'a envoyée vendredi avec les montants corrigés. Voilà. Y a-t-il des interventions sur cette délibération ? Non. Pas de problème. En fait, je vais quand même en profiter en toute transparence. Mais bon, j'imagine que ça intéresse moins. Que de tous les élus, les maires de notre strate, de l'agglomération, je suis le maire qui a le moins d'indemnités. Il est important de le souligner. Voilà. Je mets, même en y ajoutant mes indemnités de vice-président, c'est important de le souligner. Voilà.
Je mets cette délibération en voix. Voix contre. Abstention. Merci pour cette prise d'acte. Comment ? On prend acte ? Non ? C'était pas ça ? On prend acte. Merci pour cette prise en acte. Donc, convention de gestion et voirie. Je prends mes délibérations. Donc, le bilan financier de la convention de gestion voirie eau pluviale et éclairage public démontre que, donc vous avez les tableaux au niveau de la convention de gestion pour clôturer cette convention de gestion entre la ville et Angelard Métropole. Donc, pour les dossiers des quais bus, réalisation par la ville donc entre 2016 et 2022 de 143 740,86 euros de travaux. La participation totale d'ALM sur présentation de facture s'élève à 79 402,28. Donc, ALM doit verser à la ville la somme de 64 338,58. Pour le dossier éclairage public, pour la partie fonctionnement entre 2015 et 2020, la ville a payé 481,001,01. ALM a participé à hauteur de 462,414,99. Donc, Angelard Métropole doit à la ville la somme de 18 586,02. Pour la partie donc, investissement, la ville a payé 36 640,08, alors qu'ALM a participé à hauteur de 74 597. Donc la ville doit rembourser à ALM la somme de 37 957,20 perçue en trop. Donc au niveau de l'équilibre des flux de dépenses d'investissement, donc 37 957. Pour la partie voirie et eau pluviale, au niveau du fonctionnement, entre 2015 et 2022, la ville a payé 339 845,82 de prestations d'entretien de voirie. ALM a participé à hauteur de 288 740,60. Donc, Angelard Métropole doit verser à la ville la somme de 51 105,22. Et pour la partie investissement, selon le bilan effectué, la ville a réalisé 2 039 993,62 euros de travaux de voirie et ALM a participé à hauteur de 2 095 104,82. La ville doit donc rembourser Angelard Métropole la somme de 55 111,22. Soit au total, à verser par Angelard Métropole à la commune de Trélazé 134 029,82. À verser par la commune de Trélazé à Angelard Métropole 93 068,42. Y a-t-il des demandes d'information, Monsieur Arnaud? Oui, pas une demande d'information, une remarque. Bon, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire au nom du groupe depuis le début de du passage en métropole, sur lequel on s'était opposé. Voilà. Là, effectivement, on va voter cette délibération parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'on espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais on va faire confiance. Hein. Mais je défie quiconque ici de dire qu'il s'y retrouve dans toutes ces différentes conventions et des réajustements, des conventions pour rattraper la convention précédente. C'est quand même sacrément compliqué. Voilà. Et j'espère que ça va, les choses vont se simplifier. Mais enfin, ces regroupements à marche forcée des collectivités territoriales prétendument devant alléger et simplifier les procédures, pour l'instant, on n'a pas vraiment l'impression que c'est beaucoup allégé quoi que ce soit. Voilà. Donc, je mets la délibération. Si je peux me permettre. Ben, monsieur Albérec. Oui, effectivement, je pense que c'est le dernier. C'est la clôture. C'est la clôture, en fait. Là, jusqu'en 2022, le temps que ça se mette en place. Donc il y avait encore des écritures comptables, des facteurs qui n'étaient pas établis. Là, il y avait une année de transition 2022 au niveau des transferts voiries et tout ça. Donc ça prend, route. En 2023, on verra beaucoup plus clair donc, où le travail effectué par le transfert verra jour un peu mieux. Et j'en profite pour dire que Angelard Métropole, dans le cadre des transferts voiries, recherche
des personnes, si vous avez des connaissances qui veulent travailler, ils cherchent des techniciens, qu'ils ont du mal à recruter depuis le transfert de compétences voirie. Donc il manque encore beaucoup de personnel à recruter, notamment sur le secteur 2 et 3. Tant qu'ils ne viennent pas nous piquer, nos techniciens. C'est quoi les 2 et 3 ? Moi, c'est surtout ça. 2 et 3, ça concerne le Sud-Loire et plutôt de l'autre côté. OK, donc suite à cette remarque... Ah, pardon, Madame Canvet. J'avais pas vu. Oui, c'était pour savoir combien de personnel de la mairie sont partis à l'agglo. Voilà, parce que c'est... Oui, de chez nous, ils sont partis là-bas. Il n'y a qu'une personne. Il n'y en a qu'une ? Oui, une personne, oui. D'accord. Parce qu'on a l'impression, si vous voulez, quand on voit la vue d'ensemble, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de personnel dans le technique qu'avant. Voilà. Alors, j'aimerais savoir combien qu'il y a de personnes dans les services techniques. Si, bon, plus tard, si vous pouvez nous les donner. C'est pas ici qu'on va répondre, M. Albérac. Non, mais vous nous donnerez plus tard. OK. Bon, donc, je mets cette convention de gestion qui met fin aux relations entre transfert de voirie à Jolard Métropole. Donc, je la mets aux voix. Voix contre. Abstention. Unanimité. Merci. Délibération numéro 12. Reprise et constitution d'une provision pour risque de non-recouvrement. Ça fait partie des recommandations de la Chambre régionale des comptes qui ont été respectées. Donc, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution de provisions pour les créances douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la réglementation. Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision doit être constituée par délibération à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la collectivité à partir des éléments communiqués par le comptable public. Donc, pour l'année 2022, selon l'état des restes de la trésorerie, pour les créances à plus d'un an, donc là, 100% des créances de 2014 à 2021, soit 9 926,09, soit du 19 mai 2014 au 31 décembre 2021, situation au 5 septembre 2022. Pour les créances comprises entre 6 et 12 mois, sur le premier semestre, 50% des créances, donc du 1er janvier 2022 au 27 juin 2022, donc 27 368,12, donc là on fait une provision de 50%, donc soit 13 684,06. Donc le montant de la provision pour l'exercice 2022, donc 100% des créances à plus d'un an, 9 926,09, 50% des créances à 6 mois, donc 13 684,06, soit au total une provision de 23 610,15. Il convient donc de faire une reprise de la provision d'un montant de 6 373,80 et d'augmenter la provision de 2 880,73, soit en montant donc de 23 610,15. Madame Canvet. Les créances depuis plus d'un an, ce qui me fait drôle, c'est quand même, on a attendu 7 ans, parce que c'est de 2014 à 2021. Ben, c'est la règle comptable, Madame Canvet. C'est pour les créances pour... Juste pour expliquer que les créances, ce n'est pas la collectivité qui les prend, c'est le comptable du Trésor qui met en place des procédures, et à un moment ou un autre. Et en plus, ces créances, juste Madame Canvet, ces créances sont encore dans les comptes puisqu'on passe une provision. Sinon, on aurait passé ce qu'on appelle les créances irrécouvrables qu'on passe. Donc, ce qui veut dire que là, pour l'instant, entre 2014 et 2021, il y a encore 9 926,09 qui ne sont pas encore recouvrées. Donc, elles sont encore dedans. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on les efface, puisqu'elles sont encore dans les comptes. On passe une provision pour risque, puisque c'est la règle comptable qui le définit. Non, mais je préfère expliquer pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Donc, je mets cette délibération aux voix. Voix contre. Abstention. Unanimité. Merci.
Délibération numéro 13, donc on vous propose la décision modificative numéro 4. Donc, considérant les crédits alloués au budget primitif, certains chapitres n'ont pas été suffisamment alimentés. Il nous faut donc procéder à des ouvertures de crédits et modifications de crédits. Donc, pour la partie investissement, des ajustements sont nécessaires. Réajustement dont reste à réaliser compte donc 2031 moins 9515, ce sont des études de réalisation d'un giratoire entre sites des allumettes. Et on rajoute, on en a discuté en commission urbanisme, l'aménagement du cimetière pour 9515 euros. On a un avance marché pour l'entreprise Toutelec pour la salle du Petit Bois, soit 13 200 euros. Et puis tous les réajustements de compte pour la clôture de la convention de gestion du compte 458. Il n'y a aucune augmentation de crédit nécessaire puisque c'est des jeux d'écriture comptable qui rééquilibrent le budget. Y a-t-il des commentaires sur cette décision modificative numéro 4 ? Je mets aux voix, voix contre, abstention, unanimité. Délibération numéro 14, convention de facturation entre la ville de Trélazé et la Caisse des écoles. Madame Geoffroy. Il est convenu que la Caisse des écoles publiques de Trélazé rembourse à la ville de Trélazé qui a supporté le coût de la prestation du 11 juin 2022 pour la chorale des écoles. Pour l'année 2022, les coûts sont évalués de la manière suivante. Le coût de la prestation gala de danse par la ville de Trélazé, soit 6 500 euros. Le coût de la prestation orchestre à l'école par la ville de Trélazé, soit 3 218,15. Le coût de la prestation chorale des écoles, donc qui nous intéresse sur cette convention, par la Caisse des écoles de Trélazé, soit 6 000 euros. Donc juste pour rappel, les membres de la Caisse des écoles se déportent sur cette délibération. Tout à fait. Je vous demande donc d'approuver la convention de refacturation entre la ville de Trélazé et la Caisse des écoles de Trélazé et de m'autoriser à Madame Geoffroy, oui, adjointe, à signer la convention de refacturation. C'est toi qui... Non, je vais voter. Je peux mettre au voix. Donc je mets au voix. Voix contre. Abstention. Unanimité, merci. Délibération numéro 15. Répartition de subventions, Madame Geoffroy. L'association Mondes et Cultures a organisé le 15 octobre 2022 une journée culturelle à l'attention de tous les Trélazéens et plus spécifiquement des habitants du Grand Bellevue, dont l'objectif était de conforter le lien social, le bien vivre ensemble par la découverte et le partage d'autres cultures. Un marché des saveurs, des concerts et des animations diverses ont eu lieu à cette occasion au centre social Ginette Leroux. Suite à la demande de l'association, il est proposé de lui octroyer une subvention de 650 euros. Y a-t-il des questions ? Monsieur Fagot. Donc notre programme faisait une large part à la question de la culture, parce qu'on y voit un facteur fort d'épanouissement à la fois personnel mais aussi collectif. Donc je le dis d'emblée, on votera pour cette délibération. Après, Chantal, on en avait discuté aussi en commission. Voilà, on avait demandé un peu le contenu, donc là, tu nous avais répondu. Mais on avait aussi parlé de critères, etc. Parce que la délibération, elle est présentée de telle manière qu'on voit en fait finalement une somme et point barre. Et sur quels critères on attribue cette somme ? Encore une fois, les questions de culture, etc., je pense que c'est des facteurs important, et là-dessus, il ne s'agit pas de mettre des bâtons dans les roues aux associations ou quoi que ce soit. Mais, par exemple, donc cette question des critères, c'est comment, par exemple, ce temps festif, il s'intègre dans le projet de l'association, quel en est le contenu, combien de personnes sont attendues, combien de personnes ont réellement participé, l'intérêt culturel de cet événement. Donc là, il ne s'agit pas de monter un dossier de 50 pages, c'est pas ça. On ne va pas non plus demander aux associations, c'est des bénévoles, ils ont déjà pas mal de boulot à faire pour leur association. Mais moi, je reste persuadé que juste ces petites questions-là, l'intégration dans le projet de l'asso, etc., ces questions-là, pour un militant associatif, ce n'est pas compliqué d'y répondre. Non, je suis d'accord. Et là, on nous demande... Et justement, vous nous demandez d'approuver une délibération de cette somme-là, mais nous, on n'a rien. Alors, il s'agit d'une subvention exceptionnelle. Donc effectivement, on leur a demandé de remplir une demande à cet effet, où
Il précise, alors si on doit repréciser, mais je vous l'ai dit, il s'agit effectivement d'animation, de concerts, il y avait des prestations de concerts et d'artistes. Donc nous participons pour que cette journée se passe au mieux pour eux. On l'a déjà exprimé, il y a les demandes de subventions traditionnelles avec les dossiers qu'on connaît, et puis effectivement, de temps en temps, des subventions exceptionnelles auxquelles on répond, parce que il faut, comme tu l'as dit toi-même, il faut pouvoir aussi les soutenir. Je me permets juste de préciser, Chantal, que M. Fagot, sincèrement, cette délibération, on l'a vu en conseil municipal, vous avez eu les informations. Commission des finances, oui. Et comme on le fait, et souvent ce que fait aussi M. Garcia, si vous vouliez vraiment avoir les informations, et on ne vous l'aurait jamais refusé, il fallait juste nous demander le dossier de demande de subvention. Et le dossier de demande de subvention, avec tous les éléments, il est complet. Les questions que vous nous posez aujourd'hui, vous l'aurez eu sur cette demande, et vous aurez eu toutes les informations qui vous permettraient aujourd'hui, sur ce conseil, de pouvoir dire est-ce que vous êtes pour ou est-ce que vous êtes contre cette demande de subvention. Aujourd'hui, on ne donne pas des subventions de façon hasardeuse. Il y a une demande de subvention qui est proposée, qui est rempli avec tous ces éléments-là. Et derrière cette demande de subvention, à chaque fois qu'un membre du conseil municipal sollicite des informations, vient au service culturel, nous le demande par le biais de la mairie, et on leur donne ces éléments-là. Donc ce qui veut dire que j'entends là, en fait, en un moment, on a le sentiment qu'il n'y a pas de transparence, alors que toutes ces informations, il faut juste les demander, d'autant plus que cette information, vous l'avez eue, là, j'entends quand on me dit avant le conseil municipal, c'est 5 jours avant, mais là, c'est on l'a eu en commission des finances. Donc, ce qui veut dire que vous avez eu largement le temps de nous demander les informations et de pouvoir analyser la validité ou pas du projet culturel de cette association-là. Donc, il faut vraiment, mais sincèrement, il faut voilà, il n'y a pas de difficulté. Et à la rigueur, Monsieur Fagot, moi, je ne vous en tiens pas rigueur, parce que peut-être que tout simplement c'est un réflexe que vous n'avez pas encore, mais je peux vous garantir que vous nous auriez demandé ces informations-là, le dossier. Les dossiers sont largement remplis. On vous l'aurait fourni, puisqu'il y a les membres de l'opposition, quand ils ont besoin, viennent consulter les éléments et ont tous les éléments pour pouvoir juger. Donc voilà, je pense que je suis d'accord, peut-être que c'est des mécanismes qui ne sont pas encore pris, mais on les prend, clairement. Monsieur, excusez-moi. Du coup, je me permets. C'est une demande de subvention qui est exceptionnelle. Par contre, c'est quand même un événement qui a lieu depuis une dizaine d'années tous les ans au centre Ginette Leroux, hein, qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, c'est une association qui est connue et reconnue par la population avec tout ce qu'ils mettent en place au niveau culturel. Vous avez valorisé le fait que ce soit une association culturelle, mais du coup, à ce niveau-là, ils n'ont pas vraiment à faire leur preuve. Quand on s'intéresse un peu à ce qui se passe d'un point de vue culturel à Trélazé, on sait ce que vaut cette association, ce qu'elle amène, ce qu'elle apporte. Et franchement, là, 650 euros pour l'action qu'ils mènent, moi, je trouve ça, je trouve que c'est dérisoire, je vous le dis. Madame Canvet. Oui, alors moi, ce n'est pas que pour cette association-là. C'est vrai que si vous voulez, nous, en tant que, quand on est militant dans des associations, on fait toujours un projet, tu sais, combien que ça va coûter, combien on espère. Et je trouve que, non, mais là, moi, sincèrement, j'ai été voir les dossiers pour les subventions de l'année dernière. Il y a des fois, on n'avait pas l'impression, sincèrement. Je pense qu'il faudrait qu'on ait un peu plus de rigueur par rapport à certaines structures. Mais là, je ne remets pas en cause du tout l'action, hein, on est bien d'accord. Mais je dis que c'est important pour tout le monde d'avoir sommes. Non, voilà. M. Albert, s'il te plaît, on a dit qu'on respectait cette séance. Madame Canvet a le droit d'avoir son avis, même si on n'est pas d'accord là-dessus, mais elle l'exprime. Monsieur Arnoux, d'abord. Oui. Effectivement, nous, très favorables. Alors, il n'y a pas du tout d'irrespect dans tout ce que je vais dire. Très favorables à ce qui est de la sérénité. À aucun moment, Julien, dans son intervention, a remis en cause la qualité de l'action qui était menée. Donc, je ne vois pas là comment certains sont en train de s'exciter sur les propos de Julien. Il a simplement rappelé
effectivement, ce que l'on demande depuis un certain temps, c'est qu'on puisse travailler notamment sur les critères. Là aussi, une commission qui serait mise en place pour travailler sur la question des critères aux associations éviterait sans doute beaucoup de discussions ici. J'ai bien entendu, Lamine, ça fait plusieurs fois que tu nous dis, il suffit de nous demander les informations. Lorsqu'on prépare le conseil municipal, la difficulté, c'est que, alors, effectivement, on a quelques élus qui sont retraités, donc un petit peu plus de temps pour se déplacer en mairie, mais reste que quand même, on travaille collectivement et qu'on a chacun des dossiers à travailler dans nos coins. Lorsqu'on est salarié, on ne peut pas passer à la mairie. Moi, à chaque fois que je rentre du boulot, la mairie est fermée, hein, et ce qui est bien normal. Je ne demande pas ce qu'elle soit ouverte pour moi. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour que les documents soient transmis en amont ou soient disponibles sur un serveur. Enfin, j'en sais rien. Il faut qu'on imagine quelque chose. Mais on n'a pas besoin, on ne devrait pas avoir à chaque fois à demander les informations qui concernent des délibérations qu'on aura étudiées. Elles devraient être soit transmises directement, soit trouver une solution technique, j'en sais rien. On a des spécialistes qui sont capables peut-être de nous trouver. Ça se fait dans les entreprises, hein, des dossiers partagés, enfin, des bureaux partagés, des choses que l'on pourrait imaginer pour travailler. Et ça simplifierait beaucoup nos échanges, et je pense qu'il y aurait des fois beaucoup moins de suspicions dans ce que nous on peut dire ou dans ce que vous pouvez dire. Voilà. Donc c'est à ça qu'il faut qu'on travaille. Hein. C'est, rien d'autre. Hein. Il n'y a pas du tout de suspicion sur la qualité du travail qui a été fait par cette association, etc. C'était tout simplement une remarque que l'on fait régulièrement. Voilà. Alors, effectivement, quand on passe, et vous le savez bien, aussi bien que moi, les dossiers de demande de subvention que nous avons chaque année, les dossiers, Madame Canevet en fait partie de ces personnes qui ont le temps, effectivement, d'aller les consulter, et elle y va, elles sont à la portée de chacun. Là, il s'agit d'une subvention exceptionnelle dont on a parlé en commission des finances, comme le dit le maire. Madame Canevet a soulevé une question à ce moment-là, à laquelle j'ai répondu sur cette subvention. Elle nous aurait dit, est-ce qu'on peut l'avoir ? Le dossier, il est, elle s'est trouvé le bureau, Madame Gilles, Madame Canevet. Donc il y a moyen de, peut-être, de, enfin, il y avait moyen de les regarder sans aucun problème. Il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Mais de toute, non. Mais en fait, je pense qu'on va clore le débat là-dessus. Je pense sincèrement, et il faut vraiment qu'on soit dans cet état d'esprit-là. Comme je dis, je pense que voilà, Monsieur Fago, et je le pense vraiment, qu'il n'y a pas de mauvaise foi sur le fait de dire qu'on a besoin de ces informations-là, parce qu'il n'était pas encore au fait peut-être de ces fonctionnements-là. Ça, c'est une subvention exceptionnelle. Donc, quand une demande de subvention exceptionnelle, il y a un dossier qui est proposé, et que si on nous le voilà, et souvent c'est ce qu'on fait, c'est arrivé plusieurs fois, que ce soit Monsieur Garcia ou Madame Canevet, nous demande ces éléments-là par mail, voilà, et qu'on leur fournit. Par contre, sur les demandes de subvention, moi, je suis étonné. On a quand même des commissions qui sont ouvertes tous les ans à tous les conseillers municipaux, sans exception, et à qui on donne tous les éléments, sans exception. Je dis bien ici, et j'affirme qu'il y a des commissions pour les subventions sportives, culturelles et sociales, où on invite tous les conseillers municipaux avant les votes des subventions, et on leur donne tous les éléments. Monsieur Garcia, ici, ne peut pas prétendre le contraire, puisqu'il vient demander tout, les budgets, tout, on donne tout. Donc on ne peut pas nous taxer aujourd'hui de manque de transparence. Je veux bien que Monsieur Fago puisse le dire en disant, on a besoin de ces informations-là, parce que Monsieur Fago vient d'arriver, et je l'entends, il n'y a pas de difficulté. Mais je ne peux pas entendre des autres conseillers municipaux ici qu'il y a un manque de transparence sur les subventions quand même. À un moment, il faut aussi qu'on soit sérieux et crédible. Mais franchement... Mais tu parles de... Il y a des commissions tous les ans. Ah ici. Oui. Non, mais là, mais Nami, la question qui a été qui était en... C'était de se dire que, justement, l'année dernière, j'étais là, on en a discuté... Il n'y a pas que l'année dernière. Non, mais je sais bien, j'en rate pas beaucoup, hein, quand même. Non, mais on en avait discuté ensemble sur les critères, notamment, qu'ils pouvaient utiliser, et il nous avait été dit, que, justement, qu'on se reverrait pour rediscuter de nouveaux critères, etc., de leur évolution. Je m'en rappelle, on était là, et voilà, c'est ça, je pense que c'est à ça qu'était faite la remarque. A été, c'est pour ça qu'il y a une remarque qui a été faite. On nous a dit, alors, de toute manière, ce qui est bien maintenant, c'est que tout est enregistré, filmé. Vous réécouterez, on nous a dit que de toute manière, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de commission pour pouvoir discuter des attributions de subventions. Ça, c'est faux.
Ce qui a été dit, en tout cas, dans ce cas-là, je préfère éclaircir les choses. Non, mais moi aussi, je préfère quand même que les choses soient claires. Il était convenu qu'on se réunirait pour discuter, construire, réfléchir ensemble sur la remise à plat des critères, des dossiers, etc. Et ça n'a pas été fait. C'est ça qui a été dit. C'est ça. Et je pense qu'en effet, un groupe de travail ou une commission sport sur cette question serait bien. De toute manière, quoi qu'il arrive, je pense qu'on ne va pas faire le débat ici. On en a déjà discuté. Je pense qu'on a expliqué tout à l'heure pourquoi la recommandation n'avait pas été effectuée et que pour l'instant, on est en train de travailler dans la commission participative avec les présidents d'associations. On verra bien ce qu'il en est et on va avancer par rapport à ça. Mais je veux juste expliquer ici à M. Fagot et à tous les membres du conseil municipal, à chaque fois qu'il y a une délibération concernant une demande de subvention, d'autant plus que là où c'est intéressant, c'est que les demandes de subvention sont toujours vues en commission des finances. Donc là, on a largement le temps, d'une part, de recevoir les informations 5 jours avant la commission des finances, qui se déroule 1 semaine avant le conseil municipal. Donc si on veut vraiment travailler, on les a. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, on va mettre cette délibération aux voix. Je mets à M. Fagot. Alors, sur la demande des dossiers, OK. Maintenant, la question des critères. Je l'ai soulevé, la question. Je l'ai demandé. Chantal, je te l'ai demandé, la question des critères. Sur quels critères? Et c'est là où tu m'avais répondu, bah, ils font ça, ça. Non, mais ce n'est pas des critères, ça, Chantal. Non, mais de toute manière, je pense qu'on va arrêter. Je pense que ce n'est pas... Voilà. Je mets aux voix. Voix contre. Abstention. Unanimité. Délibération numéro 16, Aléamine, mise à jour du tableau des effectifs. Oui, c'est une délibération qui revient chaque mois pratiquement maintenant. Pour faire face à l'évolution donc, de nos services, il est procédé à la création de certains postes. Donc au niveau éducation, affaires scolaires, dans le cadre de la réorganisation du service impulsé depuis le début d'année, il est soumis à l'Assemblée délibérante la création d'un poste administratif afin d'assurer la mise en place d'un service affaires scolaires rattaché à la direction éducation. 4 grades de la filière administrative donc sont ainsi ouverts au recrutement afin de répondre au profil de poste. Vous les avez donc sur la liste. Au niveau de l'entretien et restauration, là aussi, afin d'assurer la mission d'entretien dans les différents locaux et écoles, il est proposé d'ajuster le nombre de postes d'adjoints techniques, +3, au sein des services entretien restauration. Enfin, sur la partie restauration, par ailleurs, le pôle logistique rattaché à la direction des ressources humaines va être renforcé d'un poste d'adjoint au responsable du service afin d'assurer la supervision opérationnelle de tous les sites. 3 grades de la filière technique sont ainsi ouverts au recrutement afin de répondre au profil du poste. Et enfin, dans le cadre concernant la jeunesse, comme l'a évoqué tout à l'heure le maire, pour pouvoir, je dirais, soutenir l'action du coordinateur. Et enfin, dans le cadre du développement de la politique jeunesse et sous réserve du financement, parce que là aussi, on sollicitera un financement de l'État, il est proposé la création d'un poste d'adjoint d'animation deuxième classe ayant pour vocation d'assurer une mission adulte relais. Voilà, monsieur le maire. Monsieur Garcia. Je crois qu'on s'était rencontrés à Bellevue. Oui. Et je t'avais parlé de problèmes. Je vois que les problèmes qui ont été très difficiles pour la personne qui est sur le flanc et qu'il a fallu peut-être anticiper les mesures que vous venez de prendre, qui vont dans le bon sens. Mais il y a une personne qui est sur le flanc. Elle n'est pas sur le flanc. En fait, ce qu'il faut retenir. Il y a un deuxième poste aussi au niveau des affaires scolaires. Là aussi, on a une personne sur le flanc. Pour différentes raisons. Non. Le flanc, je vois pas ce que vous dites. Sur le flanc, ça veut dire qu'elle est en arrêt de maladie. Les deux sont en arrêt de maladie et de longue durée. Pour expliquer le cas du renforcement des services. Du service logistique. Oui. Voilà. Donc on a effectivement un agent responsable qui est en arrêt maladie depuis quelques mois. 3 mois. On a sollicité en interne un agent pour pouvoir, avec son accord, bien évidemment... Pour pouvoir justement prendre le relais. Et par conséquent, de façon justement aussi à le soulager et à le soutenir dans son action, il est proposé le développement
et la création de ce poste d'adjoint qui viendra le suppléer. Moi, j'ai une question à poser, Monsieur Garcia. Monsieur Garcia, est-ce que vous êtes au courant des arrêts maladie des agents? Vous connaissez leur pathologie? Ah bon? Parce que normalement, un arrêt maladie, même nous, employeurs, on n'a pas l'information. Donc, à la rigueur, moi, M. Garcia, sincèrement, comment? Non, la mine. Non. Monsieur Garcia, bon. Monsieur Garcia, Le CHSCT, vous avez alerté sur le poste de restauration. Ils avaient indiqué qu'on risquait grave pour cette personne. Interroger les gens. Si je comprends bien, Monsieur Garcia, ici, en plein conseil municipal, en séance publique, vous êtes en train de révéler la pathologie privée d'un agent. On est d'accord? De façon très claire, vous êtes en train de parler. Non, mais si, Monsieur Garcia, puisque là, aujourd'hui, on est sur la création de postes, on explique qu'on fait de la création de postes, et vous faites une intervention de façon très claire, très précise. C'est ce qu'il attend, ce que je coupe. Non, mais de toute manière, quoi qu'il arrive, il est important, et je le précise ici, et je pense que, voilà, c'est prouvé que M. Garcia, en séance publique, on est d'accord, puisqu'on est dans une séance publique, à parler de la pathologie d'un agent. Si. On verra bien. Oui. Bon, je mets la délibération en voix. Pour la création... Voix contre pour la création de tableau des effectifs. Abstention, unanimité. Délibération numéro 17, Monsieur Boussion, attribution d'aide à l'achat des équipements de sécurisation de vélo. Délibération traditionnelle maintenant d'un dossier qui commence à monter en charge. Certainement le fruit du travail de communication que nous avons pu faire sur ce dossier. Il y a encore du travail à faire pour l'amplifier. 5 dossiers ont été présentés et je vous propose d'en accepter 4 puisque le 5e est un dossier dont l'acquisition du vélo est hors délai par rapport à notre délibération. Donc 4 dossiers à accepter pour un montant de 283,90 €. Je tiens juste à souligner ici que notre dispositif fait des émules puisque plusieurs communes et collectivités nous ont demandé des renseignements pour s'inspirer de ce dossier pour pouvoir le mettre en place dans leur territoire. Voilà. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération que je mets aux voix? Voix contre, abstention, unanimité. Délibération numéro 18, politique de la ville, convention quadripartite d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur la propriété bâtie. Donc, ville de Trélazé, Angelard Métropole, État immobilière, Podélia, avenant de prorogation 2023. La loi de finances 2015 a prorogé les principes d'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties pour le patrimoine des bailleurs qui avaient bénéficié en 2014 dans les anciennes zones urbaines sensibles. Les US. En contrepartie de ces abattements TFPB, les organismes HLM bailleurs de logements conventionnés s'engagent à réaliser des actions d'amélioration du cadre de vie des habitants de la nouvelle géographie prioritaire dont fait partie le quartier du Grand Bellevue. Les parties ont convenu de formaliser le cadre de ces interventions d'amélioration du cadre de vie, de l'habitat et de la tranquillité urbaine par une convention quadripartite. L'avenant de la convention arrivant à expiration le 31 décembre 2022, il a été proposé la signature d'un nouvel avenant entraînant sa prorogation pour une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2023, date de fin du contrat de ville de l'agglomération Angevine. Y a-t-il des demandes d'information sur cette délibération, Monsieur Arnaud? Ce n'est pas une demande d'information, c'est juste une remarque. On demande, et là,
puisque tu fais souvent référence aux procès-verbaux, bien, vous pouvez tous vous reporter aux différents procès-verbaux, et ça depuis plusieurs années. Nous demandons instamment et incessamment la mise en place d'une commission, d'un groupe de travail, peu importe comment on l'appelle, sur la politique de la ville, qu'on ait un échange au conseil municipal, qu'on ait des échanges, comme ça se fait dans plusieurs villes, puisqu'on compare, on a bien comparé les villes. Eh bien, des villes similaires ont des débats sur la politique de la ville en conseil municipal. Eh bien, on aimerait bien que le conseil municipal ne soit pas concerné et consulté que lorsqu'il s'agit de reversement de taxes foncières. Voilà. Hein, on pense que la politique de la ville est un enjeu tellement important que ça mériterait quand même qu'on en discute au-delà de cette question financière. C'est entendu, M. Arnoux. Je mets cette délibération aux voix. Voix contre pour la signature de l'avenant, abstention, unanimité. Merci. Donc, Madame Canvet. Donc, comme vous l'avez dit, nous avons le droit d'aller voir les dossiers. Donc, je suis allée voir la personne qui s'occupe de la politique de la ville, pour voir certains dossiers, pour justement pour les demandes de subventions et puis les attributions. Et l'employé a été très, très gêné. Il m'a dit qu'il fallait qu'il attende l'autorisation de monsieur le maire pour qu'on puisse avoir le droit de regard. Donc, si vous pouviez voir faire ça pour que je puisse voir les dossiers. Merci. Déjà, Madame Canvet, je vais me permettre de vous rappeler que normalement, la règle veut que toute demande passe par le maire. Toute demande, ben, Madame Canvet, ben, je suis désolé, hein, ce n'est pas moi qui l'impose. Toute demande passe par le maire et je pense que si on respecte cette obligation-là, on a les réponses. C'est aussi simple que ça. Donc vous voulez avoir des informations, vous passez par le maire comme le veut la réglementation et les agents n'ont pas à vous répondre, en effet. Et donc je suis désolé. Et d'ailleurs, ils sont gênés parce que vous venez les voir et que vous ne respectez pas. Parce que si vous aviez respecté, ils ne seraient pas gênés pour qu'on vous donne une réponse. Ils sont gênés parce que vous ne respectez pas la procédure. Donc la prochaine fois, si vous voulez qu'ils ne soient pas gênés et si vous ne voulez pas mettre mal à l'aise nos agents, respectez juste la procédure et faites ce que vous faites. Vous nous envoyez une demande et on vous répondra. Et là, si on ne vous répond pas, vous pourrez dire qu'on n'est pas démocratique. Parce que là, tout à l'heure, c'est la même chose pour Madame, M. Fabot. Il faut passer par le maire, tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Pour aller voir les gens. Donc, vous avez une liste des arrêtés régis par rapport à l'article L21-22 en annexe. Juste pour vous dire que la prochaine séance du Conseil municipal aura lieu le jeudi 15 décembre 2022, il y a le vote du budget, et aussi annoncer à la population qu'il y aura une réunion publique où la majorité municipale vous préférera une présentation du budget 2022. La date, je l'ai en tête, le 13 décembre, donc mardi 13 décembre à la salle Aragon, il y aura une réunion publique pour la majorité municipale qui vous présentera. Après, si l'opposition veut venir se joindre à nous pour qu'on travaille et qu'on présente ensemble, pourquoi pas. Merci à vous, bonne soirée.